vous tous, Grand Hotep à Mobali, pour le travail que tu fais. Un travail remarquable. Et continue dans ce sens. Et après, comme tu as dit dans la vidéo, on fera un travail de nettoyage pour tous les charlatans, les fakes, les disciples d'Apophis qui sont dans nos rangs et qui empêchent d'avancer justement l'émancipation de l'éveil de nos frères avec encore des histoires farfelues. Voilà. Donc à très très bientôt à vous tous. À très bientôt à toi, Mobali. Et fais ton travail de djihadi. En Kudjasen Anouk Tara, Tasunela Tara. Hotep la famille. Hotep, 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 la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamite qui parle au Kamite. Alors les amis, j'espère que ça se passe très bien. Parce que là, tonton Mobali, bah, il vient encore avec du lourd. Eh oui les amis, j'espère que vous vous êtes bien lavé les mains, que vous avez mis le masque, comme les locodaires m'ont dit. Parce que j'ai pas envie que vous tombiez malade, parce que j'ai pas fini encore avec vous. Alors aujourd'hui, tonton Mobali vient avec une surprise. C'est une sœur de la communauté, elle fait ce qu'elle peut. Et j'avais vraiment envie de la présenter parce que vraiment, elle mérite. Donc c'est la sœur Isawa, est-ce que tu es là? Je suis là. Parfait, parfait. Hotep, Hotep, ma sœur, comment tu vas? Je vais bien et toi? Excellent, excellent, excellent. Bah écoute, déjà, on va prendre l'habitude au moins de se dire bonjour dans nos langues. Donc je vais te dire Mbote Isawa et tout ce que tu as à faire, c'est me dire Mbote Mobali. Et à ce moment-là, les ancêtres vont valider. D'accord. Mbote Isawa. Mbote Mobali. C'est pas Mbote. Les M là, tu laisses ça pour les locodermes. Nous, c'est Mbote. Mbote. Voilà. Comment tu vas, ma soeur? Tu vas bien? Très bien, et toi? Excellent, 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 excellent. Bon, bah, tu sais, les gens de ma communauté, en fait, les gens qui tournent avec moi ici, mon équipe, ils ne te connaissent pas forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les petites présentations, tu vois. Tu vas nous dire un peu ce que tu fais, voilà, voilà. Et comme ça, au moins, on aura une idée de ce que tu fais. Bon, moi, je le sais déjà, mais c'est pour la famille, ok? Ok. Vas-y. Alors moi, je crée des box de loisirs et créatifs pour les enfants. Et je crée aussi des ouvrages éducatifs pour les enfants. Et le but, c'est d'apprendre en s'amusant. Et ça touche à la culture africaine, surtout. Et je me base seulement sur ce point-là. Excellent, excellent. Ma sœur, allons en profondeur. Donc, toi, tu t'occupes des enfants. Je trouve oui, que c'est vraiment ça. Une bonne chose parce que plus nous allons avoir des meilleurs enfants, ben plus l'Afrique va mieux s'en sortir. Parce que si on éduque mal nos enfants, on va se retrouver avec un tas d'aliénés. Et là, ça ne va pas être du bon. Donc, ce que tu fais, on en a vraiment besoin. Et c'est pour ça que je voulais que tu viennes sur ma chaîne. Parce que tu dois inspirer les autres sœurs à faire pareil. C'est très, très important. Nous autres là qui nous disons Kamite, il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse éviter, en tout cas faire le maximum pour éviter de trop exposer nos enfants avec les locodermes. Ce n'est pas que nous avons un problème avec les locodermes, mais cette maladie qu'on appelle la locodermite, il faut qu'on puisse au moins vacciner nos enfants pour qu'ils puissent avoir les moyens de pouvoir se défendre intellectuellement, culturellement, pour être des vrais soldats, afin qu'ils puissent être loyaux à leur propre communauté. Vraiment, c'est pour ça que j'ai beaucoup observé ce que tu fais. Et je me suis dit non, il faut que la sœur, elle passe. Il faut qu'elle passe parce que déjà, elle mérite que la communauté Kamite l'appuie. Et puis aussi, elle doit aussi aider les autres sœurs à faire pareil. C'est voilà pourquoi je voulais te faire venir ici. Ça y est, tu t'es vraiment gentil. Tu t'es évanoui, ça y est? Non, je suis là, je suis là, je suis vivante. Voilà. Donc, ma sœur, moi, ce qui m'intéresse, avant qu'on puisse parler de ce que tu fais, de tout cela, j'ai envie de comprendre comment, c'est quoi ton cheminement? Comment tu as fait pour atteindre ce qu'on appelle la conscience? C'est-à-dire que lorsque tu es conscient de ce que tu es et de ce que tu as à faire pour ta communauté. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en entendant ta voix et en observant tes photos, je me dis que la sœur, elle n'a pas forcément des cheveux blancs. Donc, je suis un peu plus âgé. Et je pense que tu es un peu plus jeune que moi. Donc, alors, je ne sais pas, parce que je sais que les Africaines, ça vieillit lentement. Ou les Africains, en général, ont vieilli lentement. Mais quelque chose me dit que tu es quand même un peu plus jeune que moi.
Et donc, je suis surpris de cet engagement. Par exemple, moi, je ne sais pas à quel âge tu vois, mais je sais que moi, c'est un peu plus tard que j'ai commencé à m'éveiller. J'ai commencé à guérir. Donc, je voudrais savoir, de ton côté, là, comment ça s'est passé? Alors, en fait, ça s'est passé il y a quelques années. Je devais avoir 13 ans. Donc, en fait, je partais, comme tous les enfants, acheter son goûter. Et donc, du coup, je fais la queue et puis il y a un homme blanc qui passe devant moi. Et il me dit, c'est pas ton pays, j'ai le droit de passer devant toi. Donc, du coup, arrête de parler. Et donc, du coup, ça m'a marqué. Attends. On va d'abord s'arrêter là parce que tu vas trop vite. Donc, tu étais là, il y a un locoderme qui te dit, c'est pas ton pays. C'est ça que j'ai compris? Exactement. On est en France, là? Ouais, on est en France. Ok, d'accord. Bon, il a raison, c'est pas ton pays. Bon, ok. Exactement. Vas-y. Il a raison, il est chez lui. Ben oui. Vas-y. Et donc, du coup, je commence à parler, à me défendre. Personne ne me défend dans le magasin. Et le vigile, il ne dit rien. Ah ouais? Ouais, donc je ne comprends rien. Et donc, je me dis, il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas normal. Donc, je rentre chez moi, je ne vais pas bien, je raconte ça à mon père. Mon père, il me dit, bah, écoute Anaïs, ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu vas vivre tout le temps, tout le temps. Et du coup, il voyait que j'étais pas bien. Donc, il me dit, tu sais, Anaïs, il y a des livres sur les histoires de la Caraïbe. Donc, si tu veux, tu peux ouvrir un livre. Donc, j'ouvre un livre et je tombe sur un esclave africain aux Antilles. Mmh. Et il a été vendu pour 500 francs. Attends, s'il te plaît, tu as des scoops. Attends, mais toi, tu viens dans mon émission. À chaque fois, tu as des petits scoops comme ça. Attends, donc tu ouvres un livre et tu vois qu'il y a un noir qui a été vendu à combien? À 500 francs. 500 francs? Ouais. 500 francs, c'est quoi en euros là? J'ai oublié toute la valeur en euros. Les amis, si vous avez la mémoire, tu sais ce que ça fait en euros? Non, moi je ne sais pas combien. Les amis, mettez en commentaire s'il vous plaît. Comme ça, on va avoir la valeur. 500 francs en euros. Vas-y, continue. Et donc du coup, je commence à lire. Et je commence à me dire, mais en fait, pourquoi les Africains sont partis aux Antilles? En fait, je me suis posé cette question parce qu'en fait, je ne me suis jamais dit en fait, que j'étais guadeloupéenne et togolaise. Donc, je voyais mes parents, ils étaient noirs, donc automatiquement, j'étais africaine. Mais le fait qu'on me dise cette phrase pendant que je faisais mes courses, je me suis demandé pourquoi les Africains partaient aux Antilles. Donc, je commence à lire et je vois qu'ils étaient esclaves. Et, wow. Et donc, du coup, je commence à poser beaucoup de questions à mon père. Et mon père, il me dit, ben, c'est à toi de chercher. Moi, j'ai déjà vécu mon expérience. J'ai déjà fait des recherches suite à ça. Donc, je commence à faire mon arbre généalogique. À 13 ans, là, tu as toujours 13 ans ou ça veut dire que tu as entre-temps grandi? Non, j'ai toujours 13 ans sur la même période. Sérieux? Sérieux, ouais. Et donc, du coup, je fais mon arbre généalogique, j'envoie des lettres aux Antilles, j'envoie des lettres en France pour rechercher les archives et tout ça. Donc, je remonte au maximum jusqu'aux ancêtres africains. Et donc, du coup, je commence à me renseigner, à demander des informations dans la famille. Et d'après une tradition orale, on vient du Congo. Oh oh. Donc, tu es de la famille, parce que je suis voilà. Du Congo. Attention. Mais tes histoires de Mbote là, tu vois, c'est pas du bon. Là, j'ai un doute sur toi. Parce que normalement, c'est Mbote. Bon, continue, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, du coup, je commence à faire des recherches sur l'Afrique. En fait, je suis tombée sur une page d'archives où c'était écrit esclave né en Afrique. Waouh! Et non, après le baptême, on lui a donné un nom chrétien. Donc, du coup, je me pose la question, je me dis pourquoi on lui a donné un nom chrétien? Aux Antilles, ils ne sont pas tous chrétiens. Donc, je commence à faire des recherches et je me rends compte qu'en fait, que quand ils arrivaient sur l'île, on les donnait un don de baptême et ils devaient ignorer leur existence africaine. À 13 ans, tu es dans cette démarche-là? À 13 ans. Waouh! Et donc, du coup, je fais des recherches sur YouTube. Et je tombe sur certaines personnalités et puis je commence à apprendre tout au long de mon adolescence et jusqu'à présent. Bon, attends. Moi, cette histoire de tes recherches, ça m'intéresse. Je sais que c'est personnel, tu vas garder les plans personnels, mais c'est juste un peu
pour voir un peu le cheminement. Sur cet ancêtre-là, dont tu vas découvrir qu'il a été vendu à 500 euros, tu m'as dit ? C'était ça, hein ? 500 francs. 500 francs. C'est du côté paternel ou du côté maternel ? Paternel. D'accord. Et donc, ça serait un ton ancêtre du côté paternel vient du Congo ? Là, on n'a pas la certitude. Ce n'est pas écrit par écrit, mais d'après une tradition orale, mm-hmm. il vient du Congo. Ok, d'accord. Et les archives, comment tu fais pour consulter les archives ? Comment tu t'y prends ? Tu vas à la mairie ? Comment ça se passe ? Quand tu es là-bas, c'est quoi la démarche à faire ? Alors en fait, avant, maintenant c'est sur Internet, mais avant, je devais envoyer des lettres carrément dans la commune où étaient morts mes ancêtres. Donc j'envoyais dans toutes les communes, et au bon vouloir des conseillers municipaux dans les mairies, ils me répondaient. S'ils ne me répondaient pas, je faisais appel à une association qui était basée en Aix-en-Provence pour faire des recherches à ma place. Et par la suite, ils me scannaient et ils m'envoyaient par mail. Waouh! Et cette démarche-là, quand tu fais ça, c'est un truc qui ça prend du temps ou ça va assez rapide? Ah non, franchement, ça m'a mis énormément de temps. Mais je n'ai pas lâché. C'est chaud. C'est beau à voir. Ça fait du bien. Là, on se dit, on commence à se connaître. Excellent. Moi, je suis surpris qu'à 13 ans, il y a des gens qui sont dans cette démarche. Je suis vraiment, vraiment étonné. Ok, cool. Maintenant, c'est ça qui va nous ramener à la deuxième partie de ta vie. C'est-à-dire que, ok, maintenant, tu grâce à un rejet des locodermes, la plupart d'entre nous, c'est comme ça. Hein, y a un rejet. Au début, on ne se rend pas compte parce qu'on vit avec eux, tout se passe bien. Mais c'est au moment où le locoderme te fait comprendre, hey, t'es pas chez toi. Hein. Il fut un temps, j'aurais pu te chicoter. Et à ce moment-là, on se rappelle de notre place. Et c'est à ce moment-là que soit certains, eh ben, ils baissent leur froc, soit certains passent en mode rébellion, soit vraiment certains essaient de retrouver vraiment leur identité et rompre avec eux. Donc à ce moment-là, il y a quand même une décision à prendre. Il y a quand même une décision à prendre. Maintenant, toi te concernant, parce que maintenant que tu sais ça, que tu veux retrouver tes ancêtres, c'est quoi la suite ? Une fois que tu lis, qu'est-ce que ça change dans ta vie personnelle ? Alors, je commence à m'aimer. Je me suis rendu compte qu'en fait, que je ne m'aimais pas et que je m'identifiais à ce que la société me donnait, en fait. Ah ouais ? Non, ouais. C'est-à-dire que je n'étais plus vraiment moi-même. Et le fait de m'affirmer, déjà, j'étais beaucoup plus heureuse, mais ça dérangeait les gens. et donc, du coup... Donc, en fait, je suis fière de moi parce que très tôt, j'ai su me défendre. J'ai su argumenter grâce à ce que j'ai appris. Mmh. Mmh. Le fait d'apprendre des choses sur ton histoire, ça t'a donné des éléments pour pouvoir faire face aux préjugés, pour pouvoir faire face aux critiques faciles, tout cela. C'est ça que tu es en train de me dire ? Ouais, tout cela. C'est excellent. Tu vois, c'est pour ça que je dis la lecture pour nous, c'est très important. Parce que c'est ça qui nous ramène à la source et c'est ça qui nous donne des éléments pour être fiers et pour pouvoir faire face. Donc nos enfants, il faut faire en sorte de pouvoir très très tôt ne pas les exposer trop avec la locodermite. Pour que très très tôt, qu'ils puissent comprendre déjà qui ils sont et qu'ils puissent commencer, que ces enfants-là commencent déjà à avoir une vision. Parce que pour nous autres là, on a commencé à avoir clair des fois à l'âge de 30 ans, des fois à l'âge de 35 ans, des fois à l'âge de 40 ans. Bon, qu'est-ce que tu veux faire ? T'as déjà fait plein de casseroles entre-temps, puisque t'as été lobotomisé. Donc, tu as eu le temps de faire des enfants avec des locodermes. Tu as fait des bêtises. Des fois, t'as été converti dans des religions. T'as eu des expériences cheloues. Tout ce temps-là, on aurait pu le gagner si très tôt nos parents nous avaient exposé à notre propre culture, à certaines lectures. Donc, il faut qu'on essaie de compenser. Mais revenons encore à toi, ma sœur. Ok, ça te donne la fierté, mais moi, je veux savoir cette fierté-là, pour ton cas personnel, comment ça se manifeste ? Parce que pour d'autres personnes, ma sœur, être fier, c'est juste faire du bavardage
dans les réseaux sociaux et dire, ouais, je suis fier d'être noir parce que les Égyptiens, ceci, cela. Mais dans ton cas personnel, est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que sur l'aspect vestimentaire, il y a un impact? Est-ce que sur le fait même de l'esthétique, il y a un impact? Ça veut dire que, est-ce que tu es une sœur à cette époque-là, malgré que tu aies une conscience, tu vas être en mode tissage, défrisage, et voici, voilà. Ou bien tout cela va comment, tu vas commencer à redresser? C'est ça que je veux savoir. Alors, je commence à m'intéresser à la définition des tissus. En fait, je me disais qu'il y avait beaucoup de tissus africains. Mmh. Et je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Étant plus jeune, bon, je n'avais pas forcément toutes les réponses. Mais je commence à m'intéresser. Et pour les cheveux, vers l'âge de 15-16 ans, je crois, j'ai fait des locks. Donc, je commence à prendre mes cheveux. Je commence à me renseigner. Mais pourquoi tu fais des locks? Les locks, c'est une coiffure de fumeur de Gandia. Bon, là, je me mets en mode Francis. Il faut juste que tu m'expliques pourquoi, parmi toutes les coiffures, tu choisis les locks. Je rentre dans les préjugés. Hein, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les locks. Je fais exprès. Ça, c'est pour éviter qu'on me fasse des commentaires stupides. Donc, ma sœur, pourquoi les locks? Les locks, tu es un fan de Bob Marley ou quoi? Non, du tout. Bah alors, explique-moi pourquoi le choix des locks. En fait, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je voulais voir comment je pouvais... Je voulais apprendre à m'occuper de mes cheveux. Mmh. Je commençais à apprendre à m'occuper de mes cheveux crépus parce que je voyais ma petite sœur, enfin beaucoup plus jeune, ma petite sœur, elle a commencé à assumer ses cheveux. Donc, je l'ai suivie et j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, à me demander quelle huile je devais mettre dans mes cheveux, quelle peigne je devais prendre pour me coiffer. Mmh. Et je voulais aller beaucoup plus loin, faire des locks. Je voulais me découvrir en ayant des locks et je voulais savoir qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Mais est-ce que tu as eu cette période de... Est-ce que tu as été affecté par la locodermite au niveau des cheveux, c'est-à-dire défrisage, tissage, perruque et tout le bordel? Ou bien c'est des choses, toi tu n'as pas eu accès à ça? Ah si, on m'a défrisé, je devais avoir pour la première fois 9 ans. Ah ok, donc toi aussi tu as été touché par la locodermite, hein, vraiment, la pauvre. La pauvre. Donc, toi aussi, vraiment. À quel âge on t'a foutu tout ce bordel sur la tête? C'est-à-dire 8-9 ans. Ah, la pauvre. 8-9 ans. On t'a mis la pommade et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, quand tu as la conscience, tu décides de redevenir toi-même tes cheveux naturels et là, tu attaques avec les locks. Ouais, naturellement. Et quand tu fais ça, ma sœur, parce que je vois que toi, ça commence très tôt. Quel est... Le rapport avec les gens qui t'entourent. Parce que j'imagine, quand tu es un peu trop jeune, que tu as quand même une certaine conscience, je pense que les gens, ils doivent quand même te prendre pour quelqu'un de cinglé. À l'époque, c'était quoi la mode? Britney Spears? C'était quoi le truc à l'époque, quand tu fais ça là? C'était quoi les gens là, qu'on regardait à la télé? C'était qui? Bon, il y avait Alia. Non, Alia, c'était beaucoup plus avant, mais il y avait... C'était quelle année? C'était les années. Donne-moi un chiffre, comme ça je vais savoir c'était quoi la tendance à cette époque. Dans les années 2000. Les années 2000. Ouais, 2000. Mais les années 2000, c'est les années où il y a tous les boys bands, non? C'est pas ça? Ouais, Chris Bo, Lil Bo, les trucs comme ça. Ouais, toutes les saloperies, ok. Et toi, malgré toute cette tendance d'aliéner, hein, en mode chemise rose bleue, toi... Il y a quand même une conscience et tu veux aller au locks. C'est ça. Et comment ça se passe maintenant pour les gens qui t'entourent? Ils te prennent pour une cinglée ou ça passe? Alors pour ma famille, ils m'ont rien dit. Vraiment, ils m'ont rien dit. Alors pour les gens dans mon entourage, ils disaient que c'était que je devenais folle. Hein. Enfin. Ils ne comprenaient pas. On a même dit que mes cheveux, c'était des lianes. Et les amis, franchement, non, mais on a dit que tes cheveux, c'est des lianes. Ouais. Ceux qui disent ça, c'est des locodermes ou ce sont les gens de chez nous? Les deux. C'est un truc de ouf. C'est l'aliénation, c'est quelque chose. Carrément. Tes cheveux, c'est des lianes. C'est ça. Mais j'ai laissé couler, hein. Moi, je kiffais et okay. J'avançais. Bon. Je me disais, moi, j'ai de la chance pour moi. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, au niveau du petit copain,
Bon, si y avait le petit copain. Lui, c'était comment? Lui, pour lui, ça passait ou c'était c'est pareil, tu as eu des galères parce que tu avais une vision peut-être trop africaine, peut-être trop. Ou bien ça passait. Il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de souci à ce point. Il n'y avait pas de souci. Bon, quoique nous, les gars, en fait, on s'en tape. Nous, on veut juste, on veut juste mettre. Hein, les amis, on a compris, non? Nous, on se connaît. Bon, bref, je passe ce chapitre. Ok, ma sœur, c'est cool. Tu m'excuseras, mais je sais que ton témoignage, nous sommes beaucoup à avoir été confrontés plus ou moins à ce type d'expérience. Donc, le fait qu'on puisse en parler, ça permet à d'autres personnes qui n'ont pas encore fait la transition de se dire « Ah, mais eux, ils l'ont fait, ils sont sortis, c'est que moi aussi, je peux le faire. » Tu vois? C'est pour ça que je parle un peu de toi, que je reste un peu là-dessus. Moi, j'ai déjà fait mon truc. Il y a une vidéo sur moi. J'avais fait toute une vidéo où je balance mes secrets. Ok, ma sœur, passons. Donc maintenant, tu es consciente et tout. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu décides d'être active dans la communauté. À quel moment tu te dis, j'ai envie de contribuer peut-être de manière économique ou peu importe, de faire quelque chose avec mon savoir-faire pour que la communauté puisse en bénéficier. Comment ça arrive? Alors en fait, je travaillais en tant qu'éducatrice il y a quelques années. Puis dans le quotidien avec les enfants, je me suis rendu compte que les outils que les institutions nous donnaient pour les enfants noirs, par exemple, ils n'étaient pas adaptés, mais vraiment du tout pas adaptés. Donc, du coup, j'ai remarqué que le soir, par exemple, quand je faisais la lecture du soir, il y avait des petites filles noires qui pleuraient parce qu'elles voulaient la famille idéale, ou sinon elles voulaient avoir les cheveux de la petite fille que je lisais dans les livres. Sinon, je voyais des enfants jouer dans la cour avec des craies de couleur blanc, en train de se colorier parce qu'ils voulaient être blancs, par exemple. Attends, j'ai pas compris. C'est quoi cette histoire de colorer de quoi? S'il te plaît, répète un peu. Je voyais certains enfants dans quelques institutions dans lesquelles je travaillais prendre de la crème blanche et se colorier dessus, en fait. Faire une espèce de poudre par terre, ouais. et de se saupoudrer le visage. Des enfants noirs, ils prennent la craie, c'est ça, hein? Oui, ils prennent la craie blanche. Et ils se mettent sur le visage. Oui, voilà. Non. Et donc, du coup, je me dis, il y a un problème. Et je vois des petites filles qui sont là avec des poupées. Enfin, j'avais fabriqué une poupée noire. Et il y avait quand même des poupées blanches. Et les petites filles, elles prenaient seulement les poupées blanches. Et donc, du coup, je me suis dit, là, ça ne va pas encore. Donc, du coup, ce que je fais, je commence à répertorier tout ce que je voyais. Et puis, je me renseignais sur mon côté. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis éducatrice. Je travaille avec les enfants. J'ai fait le travail sur moi-même, mais les enfants noirs, je ne fais rien pour eux. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je me suis mise à créer des activités autour de l'Afrique en faisant des petites histoires et en même temps, ils apprenaient. Donc, en fait, ils faisaient des travaux manuels et en même temps, ils apprenaient une petite histoire. Donc, en fait, je savais que le week-end ou le soir, quand ils rentraient chez eux, ils pouvaient dire à leurs parents, « Oh, maman, on a appris des trucs sur l'art au Mali, on a appris quelque chose avec le peuple aborigène. » Je savais. Mais ce qui m'avait plus marqué, c'est pendant mon accompagnement avec un enfant, on faisait des activités diverses. En fait, je travaillais avec un public en situation de handicap. Donc, certains étaient autistes, donc d'autres non autistes. Et il y a un enfant qui m'a dit, Anaïs, il n'y a rien en Afrique. Regarde tout ce qu'on est en train de faire. Donc là, ça m'intéresse. C'est un enfant qui a dit, il n'y a rien en Afrique. Il n'y a rien en Afrique. Un enfant noir, ouais, qui te dit, il n'y a rien en Afrique. C'est ça. Et donc, du coup, je l'observe, je le laisse parler. Et puis, il est en train de se chamailler avec d'autres amis. Et donc, je me dis, mais en fait, je ne dois pas laisser ce genre de chamaillerie. Que les autres, c'est normal qu'ils soient en train de se vanter et de rigoler. Parce qu'au final, les enfants viennent à l'école, mais qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent des choses qui ne leur appartiennent pas. Attends, ma sœur, s'il te plaît. Il y a mon frère Rames Congo, lui, il te dit, ben, ça se trouve que c'était une cérémonie vaudou, ton histoire de craie blanche, là. Ça se trouve qu'on se trompe. T'es sûr que c'était pas une série? Parce que même ce truc-là, moi, il me choque. Moi, je sais pas. J'ai pas eu de souvenirs. Je connais l'aliénation, mais à ce point-là,
J'ai jamais vu ça. Hein. Moi, je suis choqué, ma sœur. T'es sûr que c'était pas pour rigoler ? Enfin, j'entends bien, mais je veux dire, c'était pas un truc qui avait rien à voir ? Alors, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, quand l'enfant il a fait cet acte, il disait à ses amis, regardez, je suis blanc comme vous. Waouh ! Waouh ! Eh, les amis, je suis choqué, franchement. Bon, ça, on va revenir là-dessus. S'il te plaît, désolé de t'avoir coupé. C'est mon frère Rames Congo qui a fait un commentaire. Je voulais juste être sûr. Tu peux continuer, s'il te plaît. Et donc, du coup, je continue à observer. Donc, je commence à préparer des séries d'activités sur les thèmes de l'Afrique. Et je continue aussi à observer mon quotidien. Et je tombe aussi sur le cas d'une collègue qui veut lisser les cheveux d'une jeune fille noire. Et je dis à ma collègue, pourquoi tu veux lisser ses cheveux ? Et ta collègue, elle est quoi ? C'est une locoderme ? Ouais, c'est une locoderme. C'est une locoderme qui veut lisser les cheveux d'un enfant noir. Mais toi, tu vis dans quelle planète ? Parce que j'ai l'impression que c'est la planète des singes, ton truc. C'est vraiment, tu me racontes des choses. Moi, j'ai quand même vécu, mais ce que tu me dis, ma sœur, je suis quand même choqué. Hein. Là, les gens, sur le début tout à l'heure, sur le chat, là, on a tous subi des choses, mais ma sœur, dans quelle planète tu vis, quoi ? Une locoderme qui veut lisser les cheveux d'un enfant noir. Oui, c'est ça. Donc, elle veut le lisser et tout. Donc, je lui dis, écoute, ça ne va pas être possible. Tu ne vas pas lui lisser les cheveux. C'est pas possible. Elle me dit, c'est dans son projet éducatif. Alors, en fait, il faut savoir qu'en fait, quand on est éducateur, il y a un projet éducatif autour de l'enfant et on réalise les vœux de l'enfant. Donc, le vœu de l'enfant, c'était pour la période de fin d'année, lisser ses cheveux. Mais l'éducatrice en question n'a pas pris en considération sa culture, son histoire, et le problème de la chevelure si elle lissait les cheveux. Donc je lui explique et elle me dit non, je vais le faire, c'est écrit dans le projet. Donc du coup je lui dis non, ça va pas être possible. Donc on est parti en réunion la semaine suivante, on a fait un débat et je leur ai dit qu'on peut pas accompagner des enfants si on ne connaît pas leur culture, leur tradition, et si on n'apprenait pas aux enfants à se valoriser et à s'estimer. On ne peut pas forcer ses enfants ou accompagner ses enfants à devenir à ce qu'ils ne sont pas. Waouh. Hey, attends, ma sœur, s'il te plaît. Quel âge as-tu ces choses-là ? Je veux juste savoir la maturité, en fait, pour avoir ce type de raisonnement. Tu as quel âge, là ? J'ai 28 ans et j'ai commencé à être éduque à 22 ans. Et ce fameux projet-là, qui décide de ce projet ? Est-ce que c'est l'enfant lui-même qui décide ou c'est l'école, l'institution qui décide ? Qui est l'auteur de ce projet de lisser les cheveux-là ? Je n'ai pas trop compris l'épisode-là. En fait, c'est l'éducatrice. Donc, en fait, quand tu es éducatrice ou éducateur, tu es en charge d'accompagner 5 ou 6 enfants. Mmh. Et chaque année, il y a des évaluations internes. Mmh. On appelle ça projet personnalisé ou projet personnalisé individualisé. Et donc, du coup, la personne référente de l'enfant se porte garant dans la réunion pour dire ce que l'enfant souhaite. D'accord. Ou ce qu'il veut. Et donc, du coup, avec l'ensemble de l'équipe éducative, ils doivent trouver une solution pour savoir si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Mmh. Moi, je venais d'arriver, donc je n'avais pas pu assister à la réunion qui a précédé à l'autorisation du lissage de la jeune fille. J'aurais été là avant, j'aurais dit non, c'est pas possible. Waouh. Je suis un peu secoué par ce que tu me dis, mais continuons, ma sœur, continuons. Donc tu t'opposes à cela. Quelle est la position des parents? Est-ce que les parents sont au courant de cette histoire? Non, les parents ne sont pas au courant. Alors, dans certaines institutions où je travaillais, certains enfants ont été placés par l'ASE. Donc, en fait, ils n'avaient pas de contact avec les parents, mmh, malheureusement. Ou sinon, c'était des enfants abandonnés ou des enfants qui atterrissaient dans les familles d'accueil. Donc, ça pouvait être des familles d'accueil d'origine maghrébine, française. Donc, du coup, les enfants, ils n'avaient pas forcément de repères. Mmh. D'accord. Donc, du coup, il n'y avait pas vraiment de décision
légale de la part de la maman ou du papa. C'était plus l'institution. Waouh. Et donc, toi, lorsque tu t'opposes à ça, quand tu t'opposes à ça, quelle est l'ambiance ? On te prend, est-ce qu'on te prend genre, tu es en mode Black Power ? Ou bien, bon, ça, c'est juste une, tu t'opposes et il n'y a aucune conséquence et puis le lendemain, ça passe. Ou bien le lendemain, ça commence un peu à jaser parce que, bah, voilà, je sais comment ça marche chez les locodermes en général. Comment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu t'opposes ? Il ne se passe rien, ça, c'est, voilà, c'est la routine. Ou bien il y a d'abord des précédents, c'est-à-dire que tu t'es un peu opposé à plusieurs choses et c'est la routine pour eux, en fait. Juste pour comprendre. Je deviens la personne la plus méchante. Hein? Je deviens la personne la plus méchante du service. Donc, on ne me calcule pas trop. On me laisse sur le côté. Franchement, je ne calcule pas. Et jusqu'à présent, je ne calcule pas. Je défendrai mes idées jusqu'au bout et je défendrai les petites filles et les petits garçons jusqu'au bout, que ça plaise ou non. Je le ferai. C'est ma mission. Waouh! Je suis choqué, ma sœur. Franchement, je suis content. Je suis vraiment très, très fier, finalement, que tu puisses un peu témoigner, en tout cas discuter avec nous autres. Vraiment, je ne regrette pas du tout cette interview. Ce que tu es en train de me dire, là, il fallait vraiment que je l'entende. Et je parie que beaucoup de gens sont très contents d'entendre ça. Parce que vraiment, c'est vraiment chaud. C'est chaud. Mais bon, continuons un peu, ma sœur. Continuons. Donc maintenant, je vois sur le plan de tes idées comment tu défends tes convictions. Comment lorsque tu vois il y a une injustice pour la communauté, tu ouvres ta bouche et même s'il y a des conséquences, ben, t'assumes. Et ça, vraiment, je respecte. Vraiment, je respecte. Merci. Maintenant, continuons. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe dans ta tête pour que tu te dises « Ok, je veux faire telle chose pour la communauté. Je vais m'investir pour la communauté. » Alors, en fait, il y avait un moment où je ne travaillais pas pendant une longue période. Et donc, du coup, je m'ennuyais. Et puis, les gens de mon entourage et de ma famille me disaient « Ney, avec tout ce que tu as fait avec les enfants, fais un livre. » Donc, au début, je fais un livre. Et pour moi, ce n'était pas faire un livre et le vendre, le mettre dans une librairie, être exposant, parler avec les gens pour faire vendre mon livre. Ce n'était du tout pas dans ce principe. Donc, du coup, je le fais et je montre à quelques-unes de mes amies. Et elle m'appelle, elle me dit « Anis, t'es sérieuse, il faut que tu fasses un livre. » Et donc, du coup, je commence à chercher des maisons d'édition et puis je me renseigne et je sors mon premier livre. Mais quand tu sors ton truc là, j'imagine que c'est pas quand même facile. Je sais pas, moi, tu me demandes d'écrire un livre. Il faut qu'il y ait un petit. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà écrit qui traînait sous le lit ? Ou bien dès qu'on te dit d'écrire un livre, bah, tu le ponds parce que tu es la fille de MacGyver. Moi, je comprends pas. Tu le dis avec facilité. J'ai l'impression que tout est facile pour toi. Non, c'était pas si facile. En fait, à chaque fois quand je faisais des activités avec les enfants, j'écrivais. Et je me disais un jour, si je bouge dans une autre institution, je vais pouvoir exercer ce que j'ai fait ailleurs. Mais le truc, le fait d'avoir écrit le livre pendant que je ne travaillais pas pendant une longue période, c'est d'avoir recensé les activités vraiment principales. Donc, en fait, le livre était quasiment écrit, en fait. Voilà. Et quand tu vas maintenant voir, bon, j'imagine là, maintenant, il faut aller toquer la porte des locodermes, parce que nous autres, là, les Noirs, on n'édite pas beaucoup. Hein. Est-ce que je me trompe ? Non, mais j'ai même pas cherché à aller la rue. Ah ouais? De toute façon, c'est le vide total, ma sœur. Franchement. Donc là, je pense que mon Bali aussi, je veux devenir éditeur. Comme ça, je veux commencer à éditer les vrais Kamit. Mais bon, bref. Ma sœur, tu te dis, je laisse tomber les éditeurs parce que c'est de la merde? En allant dans les magasins, en me renseignant sur les livres qu'ils proposaient, et en voyant les personnages qui me ressemblaient, ce qu'ils faisaient, je me voyais absolument pas. Tu t'es dit, ils vont diluer ton travail. Oui, ça ne servait à rien. Je me suis dit, je vais au bout et puis je fais appel aux gens de ma communauté. Ok, ma sœur. Ok. Maintenant, moi, là où je veux essayer de... Je vais me mettre un peu dans la tête d'un Francis. Alors, Francis, c'est un aliéné hein, qui pose tout le temps des questions des fois stupides, mais des fois pertinentes. J'ai envie de savoir,
Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi tu es pas en mode on est tous ensemble, le racisme n'existe pas, il y a quand même des locodermes qui sont bien, je suis là pour unir tout le monde, je vais créer, faire du travail pour unir tous les gens de banlieue. Alors dans ta BD, il y aura comment on appelle les noms des il y aura Mohamed, il y aura Jaïfa, il y aura Mamadou, et il y aura Francis. Tu sais, dans la même BD. Tu sais, comme beaucoup de suceurs font, là. Tu vois, pourquoi t'as pas fait le même taf? Parce qu'en fait, c'est... Enfin, quand je compare à ma vie, c'est parce que j'ai ressenti. Jusqu'à présent, je ne ressens pas de cette façon. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Alors là, par exemple, là, je suis coordinatrice d'équipe dans un établissement médico-social. Et le fait que je sois une femme noire, ça dérange. Donc, je reçois des petites... On me titille un peu par le derrière. Donc, je me dis pourquoi je vais faire quelque chose de ce genre. On te titille par le derrière. Tu as des expressions bizarres. Hein, ah, pardon. En fait, on fait des coups. On fait des coups de. Des coups de Francis. On te fait des coups de Francis. Ouais, voilà. On a compris. Parce qu'il y a des enfants ici. On a compris. Ouais. On fait des coups de Francis par le derrière. Et donc, du coup. C'est faux. Donc, pourquoi faire un livre qui est censé de réunir tout le monde si l'hypocrisie elle règne, en fait, ça sert à rien. Bah déjà parce que quand tu le fais, le livre il est édité facilement, et en plus quand tu le fais, bah, tu peux toujours négocier avec la mairie pour toucher quelques billets. Il faut faire des affaires, ma sœur. Pourquoi tu le fais pas? C'est pas comme ça que je sens. C'est pas comme ça que je veux avancer. Je veux avancer dans l'honnêteté. Je veux avancer dans les meilleurs apprentissages pour les enfants. Et toucher de l'argent pour se faire bien voir, être vu par les maires parce que j'ai fait un livre où ça regroupe la diversité, etc., etc. C'est pas mon objectif. Donc toi, t'es pas un enfant de la République, en fait? Ah, moi, je suis africaine. Ouh, et les amis, elle me plaît. J'ai pas entendu cette phrase. Tu es quoi? Africaine. Ouh, elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît. Voilà. Excellent, ma sœur. Excellent. Excellent. Ok. Donc ça, on l'a compris. Dis-moi, maintenant, le truc que je vais comprendre maintenant, c'est quoi les difficultés? Parce qu'il y en a. Et sois honnête. D'accord? Il faut que tu dises les choses. Quand tu es noir, et que tu fais des choses pour la communauté. En général, tu sais, on parle beaucoup. Hein. On parle beaucoup à dire, ouais, il se passe rien dans la communauté, je vais être dans l'action, nanana. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose et qu'il faut soutenir, il n'y a plus personne. Est-ce que c'est quelque chose qui sort juste de ma tête ou toi, sur le terrain, tu le constates? Oh, c'est une réalité. On est tous là, on dit tous qu'on est frères et sœurs, mais dès qu'il y a un projet... d'un frère ou d'une sœur, il n'y a personne. C'est néant. Mais quand on entend qu'il y a les soldes ou qu'il y a un iPhone en réduction, c'est les premiers à partir. Ok, ok. Bon, maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va un peu parler un peu d'un truc très important. Tu m'as mis une vidéo. Il y a une vidéo que tu m'as proposée. On va essayer de la passer. D'accord. Et puis après, tu vas essayer de commenter cette vidéo. Tu vas m'expliquer pourquoi cette vidéo et tout cela. OK? OK. On se retrouve tout à l'heure. Les amis, on est ensemble. On regarde cette vidéo et on revient. Show me the doll that you like best or that you'd like to play with. This one. I like that one. Show me. I can't. This one. That one? Yeah.
Can you show me the doll that is the nice doll? And why is that the nice doll? She's white. And can you show me the doll that looks bad? Okay. And can you give... And why does that look bad? Because it's black. And why do you think that's a nice doll? Because she's white. And can you give me the doll that looks like you? Fifteen out of the 21 children preferred the white doll. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has two eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. Ok les amis, c'est pas le moment de se suicider, d'accord? C'est pas le moment de se suicider, on est plus fort que ça, mais il faut qu'on en parle. Donc ici il y a une vidéo, on voit les enfants avec une poupée blanche, une poupée noire, ensuite il y a des questions là-dessus, donc on demande aux enfants, là je fais vraiment un raccourci très très simple, quelle est la poupée la plus belle, tout cela, donc l'enfant montre la poupée blanche, quelle est la poupée... qui n'est pas belle, qui est moche, qui est sale, tout ce que vous voulez. L'enfant montre la poupée noire et quand on pose à l'enfant la question laquelle des deux poupées te ressemble ? La même poupée que l'enfant a diabolisée en disant que cette poupée, elle est sale, elle est noire. On lui pose la question, à quoi tu ressembles toi là, parmi ces deux poupées ? L'enfant montre encore la poupée noire. Donc ça vous montre ici la psychologie, c'est-à-dire les locodermes, à quel point ils sont dangereux dans leur truc. Et comment c'est dangereux d'exposer nos enfants à la locodermite. Parce que, attendez, j'ai pas envie de prendre la place de la sœur. Mais mon Balila, il va parler. Ma sœur, je vais d'abord te laisser d'abord commenter cette vidéo. Et après, je vais parler. Parce qu'il faut que je parle. Tu es là ? Ouais, je suis là. Ok, ma sœur, tu peux y aller. J'ai failli prendre ta place. Alors là, la vidéo qu'on vient de regarder, bah, c'est quelque chose que je vois jusqu'à présent avec les enfants. C'est pareil, ça n'a pas changé. Et c'est un peu normal que les... Je ne dis pas que les enfants doivent choisir la poupée blanche, mais au vu de la situation, je trouve que c'est assez normal parce que les héros qui voient, c'est des blancs. Malgré qu'il y a Black Panther hein, qui est sorti. Hein. Qui est ressorti récemment. Qui est sorti récemment, il s'identifie toujours au personnage blanc. Donc, même dans les livres qu'on propose, quand on les emmène dans les bibliothèques, et ben, ils choisissent assez souvent des livres à personnage blanc. Et c'est dommage. En même temps, quand on entend certains éducateurs ou... Je vais plutôt prendre le cas des éducateurs parce que je suis éducatrice de formation. Quand on entend certains éducateurs dire, par exemple, c'est un exemple, hein, Moussa, arrête de faire comme ton grand frère dans la cité, à rester à rien faire. Quand un enfant entend ce genre de conneries, des phrases répétitives, c'est normal que
il va choisir des personnages blancs, parce que soi-disant les personnages blancs ou les blancs dans la vie réelle, ce sont des personnes qui ne font aucune faute et qui sont toujours les meilleurs. Voilà. C'est vraiment triste. Ma sœur, je vais revenir sur cette vidéo. Laisse-moi faire mon Mobali 2-3 secondes et après on va revenir à ton truc. Parce que cette vidéo-là, vraiment, elle m'énerve. Donc on va mettre un peu de chicotte là-dessus. Les amis, serrez la ceinture. Je pense que c'est le moment où les francistes, les camoustiques et tout le reste là vont commencer à disliker ma vidéo. Donc allez-y à fond, likez cette vidéo pour envoyer un message fort parce qu'on est tranquille chez nous et on discute de nos problèmes. On n'embête personne. C'est eux qui sont venus sur ma chaîne alors qu'ils ne sont pas invités. Alors, laisse-moi un instant que je cherche cette vidéo là, ma soeur, parce que vraiment, je vais juste mettre la partie là où il y a l'enfant. Voilà. D'accord. Black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Donc celle qui est which méchante. Doll is the nice doll? La poupée gentille, locodère. And which doll is the bad doll? La poupée méchante, poupée noire. And why is that doll pretty? Because she's white and he have two eyes. Which doll is the ugly doll? Mm. Why is that doll ugly? Because he's black. Donc elle est méchante parce qu'elle est noire. C'est juste ça. Donc l'enfant dans sa tête, hein, ici la notion du bien et du mal pour l'enfant, c'est très clair. Le blanc, c'est la perfection, c'est la beauté, c'est tout ça. Et le noir, c'est vraiment tout, c'est l'opposé total. Et quand on pose la question à l'enfant, déjà je vais mettre ma tête, c'est là où il y a le problème maintenant. C'est là où il y a le problème. Quand on pose la question, parmi les deux poupées là, tu ressembles à quoi? La même poupée que l'enfant diabolise, eh bien il dit, moi je ressemble à ça. Donc dans sa tête, il est dans une position de faiblesse. Il est dans la position du subordonné. Il est dans la position de l'esclave. Il est dans la position de Francis. Et ces enfants-là ont quel âge? Et le résultat de ça, les amis, c'est quoi? Le résultat de ça, c'est quoi, les amis? Ça donne les quémoustiques, ça donne les évolués, ça donne les Francis, ça donne les gens qui dislikent les vidéos de Mobali, ça donne ce type de personnes que je vais vous mettre un instant, les amis. C'est les mêmes personnes, hein. Regardez les conséquences quand tu grandis. Regardez, je vais vous mettre une autre vidéo, ne bougez pas, regardez-moi ça. Apparemment, c'est une... Elle doit être pasteur ou je ne sais pas quoi. Mais c'est les mêmes personnes. Regardez-moi ça. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, c'est la bishopesse. Donc, shalom, shalom. Hein. Vous l'avez compris que ici, hein, c'est les Hébreux bantous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, c'est la bishopesse Okulumaya, président de toutes les églises, Tamon vers le réveil. Je viens comme ça parce que j'ai quelque chose qui me pine en tout cas. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà. Les amis, imaginez ce qu'elle porte sur la tête. Cette dame-là qui vient de parler, qui dit ok en mode shalom, shalom. Elle veut nous apprendre la Bible. Elle fait partie du peuple élu. Imaginez ce qu'elle a sur la tête. Eh bien, je peux vous le dire, elle porte certainement un tissage. Elle n'est pas en mode naturel. Parce que dès toute petite, cette dame-là, elle a été lobotomisée. Elle a dû jouer avec ces mêmes poupées des locodermes. Au départ, ce n'était que des jouets. Mais il y a un sous-entendu ici. D'accord? Il y a un sous-entendu. Tu es en train de t'occuper d'un enfant locoderme. Et donc, toi, quand tu joues avec cette poupée, tu ne te vois pas. Tu es en mode l'esclave qui s'occupe de la maîtresse. Ou de l'enfant de la maîtresse. Tu ne t'occupes pas des gens de ton clan, tu ne t'occupes pas d'une poupée qui te ressemble et tu te dis cette poupée-là, c'est un membre de la, un membre de la communauté si on peut dire ça. Tu ne fais pas ça. C'est pour ça que cette dame-là, des générations plus tard,
elles vont se retrouver dans les hôpitaux à torcher le cul des locodermes. Parce qu'elles ont passé leur temps à jouer avec les locodermes, les poupées locodermes. Et bébé, quand tu grandis, qu'est-ce qui se passe? Tu finis en femme de ménage. Tu finis en mode femme dans les trucs des hôpitaux, là, pour torcher leur cul. C'est ça, les amis. C'est la suite logique. C'est tout à fait normal. Parce que depuis tout petit, là, on ne t'a jamais appris à être une battante. On ne t'a jamais appris à être au-dessus des locodermes. On t'a appris à être toujours en dessous. Mais quand tu grandis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement ça, mais à l'échelle un peu au-dessus. Eh les amis, regardez-moi ça. Là, ils ont trouvé maintenant une faille. Parce qu'ils ont dit, ah, les Noirs, vous voulez des poupées noires? Hein? Parce qu'on a compris qu'apparemment, vous êtes en train de... Hein, quand vous regardez les lives de Mobali, hein, vous voulez jouer les kamites. Ben, on va faire des poupées noires pour vous. Regardez maintenant ce qu'ils ont fait pour nous. Regardez ça. Donc ça, je vous présente Barbie. D'accord? Ici, je vous présente. Regardez comment ils ont fait. Et ils se sont inspirés de qui? Ils se sont inspirés des filles de Francis. Regardez-moi ça. C'est ça le standard qu'on veut pour nous. Est-ce que les amis, quand vous voyez cette sœur-là, si je peux appeler ça une sœur, ou ce chien domestique, je ne sais même pas ce que c'est comme race même. Eh, dites-moi, vous voyez une Africaine? Mettez-moi en commentaire. D'accord? Est-ce que vous voyez une Africaine là? Moi, je n'ai pas l'impression, les amis, qu'on voit une Africaine. Et c'est le même type de personne. Lorsque ces personnes se font floyder, d'accord? Et ces personnes se rappellent qu'elles sont apparemment africaines. Elles veulent nous mettre dans leur combat. Eh bien, il faut faire le combat plus tôt. C'est pour ça que je ne soutiendrai jamais les personnes de ce type. Pour moi, les amis, c'est un format qu'on doit... ça ne doit pas être dans notre tête. Et ici, je parle à nos frères. Arrêtons de nous intéresser à ce type de format. Il ne faut plus qu'on puisse accorder notre énergie à ce type de femme. On n'en a pas besoin. D'accord? On n'en a pas besoin. Sur ce, on va revenir à la sœur parce que là, sinon, je vais m'éparpiller. Ma sœur, revenons à toi parce que ça, c'est un peu mon Bali. Tu vois, ça, c'est moi. Donc, toi, par rapport à ce que tu fais, tu te dis, il faut compenser le manque d'image. Je parle à ta place. Ouais. Parce que tu mets de la BD, tu fais quand même pas mal de choses. Attends, je lis les commentaires. Donne-moi un instant. Ok. Eh les frères, on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Vous êtes en mode perruque, tissage et perruque ou les amis, on est en mode naturel? Parce que faut qu'on soit d'accord. Hein. Donne-moi un instant, je regarde juste les commentaires. Bon, je sais que ma famille est d'accord avec moi. Il y a trois Francis qui n'ont pas liké ce qu'on a dit, qui ne like pas ce qu'on dit. C'est pas grave. Bon, ma sœur, revenons à nos trucs. Donc, tu compenses un peu le manque. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis la littérature, mais j'ai cru comprendre que tu faisais aussi des poupées, c'est ça? Oui, je faisais des poupées pour enfants. Alors, en fait, c'est les enfants qui fabriquent eux-mêmes leurs poupées. Et en fait, il n'y a aucun danger. Hein. Les trous sont déjà perforés et l'aiguille, elle est en plastique. Ah, attends. C'est-à-dire que c'est les enfants eux-mêmes qui fabriquent les poupées? C'est ça le principe de ce que tu fais? Ouais, c'est les enfants. Waouh, mais c'est génial! C'est un très, très bon concept. C'est un très bon concept. Et tu sais, moi, quand j'étais petit au Congo, nos sœurs, c'est ce qu'elles faisaient. Elles n'avaient pas, bon, après tu me diras, on n'avait pas les moyens, mais je sais que chez nous, les enfants faisaient leurs propres poupées, faisaient leurs propres doudous. Et quand j'entends ça, je dis que c'est une bonne chose. Quelque part, ça te responsabilise aussi. Tu fais ton œuvre et selon ta propre imagination, tu mets la beauté, ta conception de la beauté. Après, peut-être pour nous, on va dire c'est moche, mais pour l'enfant, c'est sa conception de la beauté. C'est comme ça que lui, il voit la perfection. C'est son expression. On n'est pas là pour le juger. Et c'est pour ça que je dis c'est génial. Mais ma soeur, je vais te laisser parler parce que je parle trop à ta place. Vas-y. Pour la poupée, c'est ça? Oui, pour la poupée. D'accord. Donc, du coup, l'idée de la poupée, comment je l'ai créée? Ben, en fait, c'est parti d'un atelier que je faisais avec des enfants. Et donc, du coup, je leur ai demandé d'imaginer leur poupée, leur future poupée, en fait.
Donc, du coup, ils ont commencé à dessiner. Il y a une jeune fille, elle a dessiné. Et puis, elle a par la suite cousu sa poupée. Et elle m'a dit... elle m'avait dit, Anaïs... pardon. Elle m'avait dit, Isawa, excuse-moi, mais est-ce que je pourrais avoir des poupées noires à construire? Malheureusement, je ne suis pas restée dans cette institution. Je suis partie. Donc, du coup, je n'ai pas pu continuer avec elle. Et beaucoup plus tard, je me suis mise à créer les poupées. Donc, je n'ai pas voulu seulement créer des poupées pour seulement se dire que c'est des poupées noires ou parce que c'est des poupées pour petits garçons et les petits garçons ont besoin de s'identifier. Donc, j'ai voulu intégrer la culture. Donc, par exemple, dans les poupées que je propose, il y a la petite fille où elle s'appelle en fait Oya. Mmh. Donc, c'est une déesse. Il y a la petite fille je me perds dans les mots. Il y a une autre poupée que je propose, c'est la déesse Oshun. Mm-hmm. Et ensuite, il y a une poupée pour un petit gars que je n'ai pas appelé poupée parce que c'est ridicule pour un garçon, donc j'ai préféré l'appeler Héro. Mm-hmm. Et c'est Shango. Et ensuite... je me suis dit pourquoi pas créer des robes ou des tenues vestimentaires pour ces poupées, mais avec des tissus africains. Donc j'ai intégré les tissus kente, bogolan, etc. Et en fait, le but, c'est que voilà, l'enfant, il va faire sa poupée. Il ne va pas seulement se dire que la poupée, elle est noire et que c'est une fille comme moi ou que c'est un garçon comme moi. Il va se dire, voilà, ça fait partie de ma culture, c'est une déesse ou un dieu, ou ce tissu que j'ai choisi pour ma poupée, ça provient de ce peuple, il pourra définir la définition du tissu. Donc en fait, ils apprennent tout en s'amusant, et c'est vraiment mon concept, c'est apprendre en s'amusant la culture qui est de chez nous. Oh oh. Oh oh. Les amis, Francis débarque. Hey, bon, depuis tout à l'heure, là, tu viens sur la chaîne de Mobali, tu bavardes. Ouais, nanana, je fais des poupées, Ishango, je sais pas qu'est-ce que j'ai entendu comme salade. Bah alors, pourquoi tu fais pas des poupées avec des... Je sais pas moi, avec la Vierge Marie, c'est des personnages quand même importants. La Vierge Marie, elle fait des miracles. Pourquoi tu nous ramènes des choses en Afrique? C'est quand même un peu sectaire, ton histoire, là. Bah, alors, pourquoi je ne mets pas la Vierge Marie ou les personnages bibliques? Déjà, premièrement, je ne les connais pas. Oh oh! Donc, toi, tu ne crois pas en la Vierge Marie? Non, et puis, je n'ai pas eu d'éducation religieuse catholique. Ben, ça veut dire que tu ne connais rien à la vie. Donc tu veux me faire croire que la femme qui a mis Jésus au monde, notre sauveur, tu ne la connais pas et tu nous proposes des salades comme les Ishango. Donc moi là, je vais mettre ça, je vais acheter tes trucs, fais maison. Hein, alors toi, tu n'es même pas capable de faire les poupées. Les poupées, tu les fais faire par les enfants, eux-mêmes. Et en plus, ça ressemble à du vaudou en plus ton truc. Donc il faut que tu m'expliques, c'est quoi le concept de tout cela? Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, bah, c'est d'initier l'enfant à l'apprentissage de sa propre culture. Et faut que les enfants sachent que avant en Afrique, il n'y avait pas ces histoires de religion, la Vierge Marie, etc., etc. Ceci a été imposé de force par domination. Ok. Donc je vois que tu veux responsabiliser les enfants. Ça se tient. Exactement. Bon, je reviendrai avec tes histoires. Mais c'est pas clair. Moi, j'aime pas trop les gens. Vous êtes trop communautaires, là. Hein? Barbie, on t'a pas vu, on a montré une photo de Barbie. Des poupées Barbie, ça ne te va pas. Ils ont fait des poupées noires. Pourquoi vous voulez faire encore vos trucs? En plus, c'est mal fait. C'est mal fait. Les poupées en plastique, c'est parfait. En plus, c'est écologique. Elle a des cheveux longs. Elle est belle. Elle a des formes, en plus. Et toi, ton truc, là, il n'y a même pas de forme. On comprend rien. On dirait que tu as juste pris un chiffon et tu nous le vends. Moi je ne trouve pas ton truc clair, hein, ma sœur. Hein. Bon, je laisse l'antenne à Mobali. Parce que vos histoires-là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. À tout à l'heure. Eh les amis, dislikez cette vidéo. Tous les aliénés, allez-y.
Dislikez cette vidéo. Excuse-moi, ma sœur. J'ai un personnage, des fois, c'est un aliéné. Il s'appelle Francis. Il squatte ma chaîne et tout le temps, il est là à faire des bêtises. Non, félicitations pour ce que tu fais, très sincèrement. C'est vraiment très, très important. C'est vraiment très, très important ce que tu fais. Et je voulais vraiment te donner de la force. Je voulais vraiment Merci te donner beaucoup. De la force. OK. Dis-moi un peu, où est-ce qu'on peut trouver tout cela? Où est-ce qu'on te trouve pour que les gens qui veulent te donner de la force, qui n'aient pas d'excuses? Alors, il y a mon site internet où on peut retrouver les produits. Ouais. Il y a dans la boutique Nofi. Chez Nofi? Ouais, chez Nofi. Et dans une association antillaise, Nouveau Hill, en Guadeloupe, dans une boutique qui s'appelle Le Local, située à Basse-Terre. Ok. Donc, si les gens ils veulent acheter, ils vont chez Nofi. Pour nous autres, là, ouais. qui sont en locodermie, chez Nofi. C'est ça, hein? Ouais. Ok. Comment on fait pour te contacter? S'il y a des gens qui veulent collaborer avec toi, pour X raisons, parce que tu sais, ici, on est quand même bien écoutés. Il y a pas mal de gens, des gens sérieux. Surtout qui vont peut-être chercher à t'aider ou peut-être à être utile dans ce que tu fais. Parce que tu sais, ma sœur, toute seule, tu ne peux pas. Il y a toujours quelqu'un, tu vas toujours avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Tu vois? Donc, s'il y a des gens qui sont dans cette démarche, comment ils font? Comment ils s'y prennent? Tu as un Facebook? Où est-ce qu'on te retrouve? J'ai un Facebook, j'ai une page Instagram ou sinon, ils peuvent me contacter par mail. D'accord. Bon, tu sais ce que tu vas faire à la fin de l'émission. On aurait dû le faire en off, mais c'est vrai que j'avais zappé. Tu me donneras toutes les informations, ton Facebook, ton Instagram, tout cela. Comme ça, je mettrai ça dans le descriptif de la vidéo. Et okay, ainsi, ils pourront te suivre. Okay. Les amis, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec la sœur, ben, vous connaissez mon numéro. Attendez, je vous le passe là. Attendez, il faut que je retrouve mon... Bouge pas, ma sœur. Je te fais un peu de promo, tu vois. D'accord. Voilà. Vous me contactez. Hein, pour les frères qui veulent avoir les coordonnées de la sœur ou rentrer en contact, qui veulent peut-être, je ne sais pas, être utile pour la sœur d'une façon ou d'une autre. Hein, ma sœur, tu as certainement, toi qui fais des BD, des gens qui dessinent, des choses comme ça, non? Je ne sais pas moi, des oui. Hein, au lieu d'aller payer chez les locodermes pour t'aider à faire ça. Oui, ouais. tout est des bons à prendre, hein. Dessinateur, vendeur... En fait, je suis ouverte à tout. Hein. Voilà. Donc, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Ok, ma sœur. Mais il y a une chose aussi, hier, on a discuté. Et en fait, toi, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu as du sang royal. Ah oui, ça, c'est du côté de ma mère. Oui, ma sœur, comment tu caches ça? Ça, c'est du côté de la maman. Ouais. Et ça, comment vous l'avez su, ça? Bah, en fait, je devais avoir 10-11 ans, mais j'ai remarqué que ma mère a gardé une photo très précieusement. Puis je lui avais demandé c'était qui, elle me disait c'était un roi, mais vraiment sans plus. Mm-hmm. Donc on partait régulièrement au Togo, et il y a 5 ans ou 4 ans, quand on est allé au Togo, j'ai dit à ma mère, il faut que tu m'emmènes au village, parce qu'à chaque fois on vient à Lomé. Mais en fait, on ne va pas au village. Donc, elle me dit, bon, d'accord, on va partir au village. Et quand j'arrive dans le village, je vois qu'en fait, c'est une immense cour. Et je demande à ma mère qu'est-ce que c'est et tout. Elle me dit, bah, écoute, en fait, nous, on vient du peuple Chojo. Chojo. Chojo, oui. Mm-hmm. Et c'est des mots-là. Et nos ancêtres, ce sont des mots-là, pardon. Et donc, en fait, on est des rois, on est des reines et tu es une princesse. Donc du coup, je lui demande plus de détails. Et elle me dit, bah, écoute, en fait, il y a un oncle qui pourra t'expliquer l'histoire. Donc, du coup, mon oncle m'explique qu'en fait, le peuple de la branche de ma mère, des mots-là, ils viennent de l'ancien empire Tombouctou. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un renversement et la population devait se convertir à l'islam, obligatoirement. Wow. Mm-hmm.
Et donc, du coup, il décide de s'enfuir du royaume et de venir et d'immigrer au Togo, en fait, sur les territoires togolais. Et donc, du coup, maintenant, ils sont musulmans, ce peuple. C'est dommage. Mais du coup, j'ai demandé à mon oncle comment ça se faisait que maintenant, ils étaient musulmans. Donc, du coup, il m'explique qu'en fait, comme ils sont arrivés sur une terre qui ne leur appartenait pas, quand ils épousaient une femme, la connexion entre les familles, ils étaient obligés d'embrasser l'autre culture. Donc, c'est pour ça que petit à petit, l'islam a intégré leur culture et leurs pratiques. Mais après, quand on regarde bien, par derrière, ils vivent leur tradition. Hein. C'est vraiment triste, hein, ma sœur. C'est-à-dire que toi, tu es d'une lignée royale et tout ton peuple que tu étais censé diriger si on n'était pas dominé, ils sont maintenant tous lobotomisés à l'islam. Quel gâchis, hein. Vraiment. Vraiment. Mais tu sais, nous sommes beaucoup comme ça, on ne le sait pas, mais beaucoup d'entre nous, on a du sang royal. Parce que tous ces empires qui ont été détruits, hein, ces gens se sont retrouvés esclaves, ces gens se sont retrouvés à Cuba, à Haïti, d'autres même, même d'autres sont restés dans le continent, complètement christianisés. Ils ont eux-mêmes des fois renoncé à tout cela. Et nous voilà aujourd'hui, hein, éparpillés, alors qu'on était... On est de sang royal. C'est vraiment, c'est vraiment triste, quoi. Les Africains, nous autres, là, vraiment, c'est notre histoire, elle est vraiment triste. Ouais. En tout cas, ma sœur, attends, il y a des gens qui cherchent à avoir tes coordonnées. Si tu peux juste rappeler ton Facebook, s'il te plaît. Facebook. Alors, mon Facebook, c'est Créanaïs. Donc, ça s'écrit avec un C-R-E-A-N-A. H-Y-S. Répète encore. C-R-E-A-N-A-H-Y-S. Et c'est pareil pour Instagram. Et pour mon site internet, pareil. Ok. Parce que toi, on te connaît aussi sous le nom de Anaïs. Ici, ça, c'est ton nom Kamit. Mais aussi, tu as ton nom Anaïs, mais les gens t'appellent Ninis. Ouais, aussi. Voilà. Donc, la sœur ici, c'est Isawa, mais... pour certaines personnes, c'est Anaïs. Mais ma sœur, il faut que tu commences à oublier Anaïs là. Parce que Anaïs là, hein, chez nous autres là, c'est pas du bon. D'accord, ça porte la poisse. Ok ? Parce que Anaïs, ça rime avec maïs. Je peux te dire que c'est pas crédible. En tout cas, Isawa, merci une fois de plus d'avoir accepté de venir nous faire un petit coucou pour qu'on puisse découvrir ce que tu fais. Merci d'avoir joué le jeu. Bon, j'ai fait un peu le Francis. J'espère que ça t'a pas trop déstabilisé. Non. Mais n'hésite pas à revenir. De toute façon, jeter à l'œil. Hein, on va un peu suivre ce que tu fais. On va te donner la force. Parce que voilà, tu fais ça pour notre communauté. Ben, nous, on veut bien t'aider à notre façon. Ok, ma sœur ? Ok. Bon, sur merci. Ce, on est ensemble. Porte-toi bien. Merci, toi aussi. Attends, on n'a pas fini. Comme tu es du Congo, tu avais dit aussi. Donc, je vais te dire Matondo Isawa et tout ce que tu as à dire, c'est Matondo Mobali. Alors, tous les Américains qui viennent ici savent le dire. Si tu me fous la honte, ma sœur, ça ne va pas le faire. Donc, Matondo Mobali. Matondo Mobali. Bon, l'accent là, c'est pas du bon. Tu me fais penser à un prêtre français venu en Afrique. Mais j'accepte. Comme c'est toi, j'accepte. Ma sœur, on est ensemble. On se revoit bientôt. OK ? D'accord. À bientôt. À très bientôt. Otep. Otep. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? La sœur, quand même, ça le fait ou ça le fait ? Parce que c'est bien de temps en temps qu'on ait des gens... Hein, bon, de temps en temps, on a des personnalités. Mais nous aussi, on a une vie ici en Europe. En France, il y a des gens quand même qui font quand même le taf pour la communauté. Il faut leur donner la visibilité. Je ne veux pas tout le temps vous mettre des quinries, des gens importants. Il y a des gens aussi qui font des choses dans l'ombre. Ces gens-là méritent un coup de main. Et moi, je les fais venir chez Mobali. D'ailleurs, toutes les personnes qui font des choses sincères pour la communauté, je ne parle pas des camoustiques qui sont en mode suceur d'énergie. Hein, vous voulez que Mobali vous donne un coup de main, vous ne pensez pas comme nous autres. Je parle des kamites, les vrais kamites, les vrais panafricains. Ceux qui sont sincères.
Si vous voulez qu'on puisse être au courant de ce que vous faites, venez sur ma chaîne, on en discute. On commence un peu à être nombreux. Il faut que l'argent tourne dans la communauté. Donc les amis, n'hésitez pas à m'appeler. Vous êtes créateur, vous êtes un artiste, vous êtes peu importe ce que vous faites, du moment que vous êtes un kamit panafricain, sérieux, vous n'êtes pas un camoustique, vous voulez juste avoir du buzz. Voilà. Et attention aux artistes, attention. Je suis obligé de mettre la chicotte. Surtout les artistes là. Parce que les gens, quand j'avais dit ça la dernière fois, je me suis retrouvé avec des rappeurs qui sont en mode twerk et qui me disent « Ouais, mon Bali, je suis kamit. » Mais comment tu peux être kamit et tu donnes une sale image de notre sœur et tu veux que moi, je mette tes clips dans la chaîne de mon Bali? Hey, vous me prenez pour un idiot ou quoi? Non. Ça, j'en veux pas. Ici, les amis, on essaie en sorte de partager certaines valeurs. Donc, quand je parle des artistes, c'est des artistes qui ont une certaine éthique, qui ont un peu de morale, ce ne sont pas des évolués, d'accord ? Vous ne mettez pas nos sœurs dans une sale position, vous ne les mettez pas en mode twerk, vous n'êtes pas là à faire de la promotion de Jack Daniels, vous n'êtes pas en train de faire la promotion de l'herbe, de toutes ces choses qui nous ramènent vers le bas, vous n'êtes pas en train de faire la promotion des choses des clichés du 93 ou je ne sais pas quoi avec vos potes rebeux. Je ne veux pas de ça sur ma chaîne, d'accord ? Vous êtes conscient, Kamit, moi je veux voir des clips, d'accord, que je peux montrer à mes enfants. Pour que mes enfants se disent, ouais, moi aussi je veux devenir comme ce monsieur-là. Mais si pour être en mode wesh-wesh avec vos petites bouteilles, et c'est ça que vous voulez que je montre à mes gosses, j'en veux pas sur ma chaîne. Alors allez sur d'autres chaînes, ok? Je veux vraiment les gens Kamit conformes. Les gens qui nous montrent sous un bon angle. Les gens qui font la promotion de ce qu'il y a de meilleur chez nous. Je ne veux pas des gens qui montrent des choses stupides. Ok, je ne veux pas de ça. Donc voilà, c'était important que je le dise parce que les gens, ils me disent « Ouais, mon Bali, moi, je suis un artiste. » Et quand je vais aller cliquer sur son truc, rien à voir avec nous. Je vois du twerk, je vois des femmes dans des positions dégueulasses. Eh oh, les amis, tant qu'à faire, il faut juste que j'aille sur un site. J'ai pas envie de parler de ça. Après, ma femme, elle va m'en vouloir. Bref, j'ai failli dire une bêtise. Mais vous m'avez compris. Bon, les amis, j'aurais bien voulu qu'on discute un peu. Alors, je vais mettre mon téléphone. Hein, on va faire ça à l'ancienne. On va un peu discuter de ce que vous en avez pensé. D'accord ? On prenne le temps de 5-10 minutes ou une demi-heure. Là. Je vais mettre mon téléphone. Et appelez-moi, donnez-moi votre avis sur la sœur, sur ce qu'elle fait, de ce que vous avez pensé un peu de cette discussion. Qu'on en parle entre nous. Donc, mon téléphone, il est ouvert. D'accord ? Donc, c'est marqué « Donnez votre avis ». Ben, donnez votre avis. Mon téléphone... Mon téléphone, il est là, il est à votre disposition. Donc, allez-y, n'hésitez pas. On est entre nous avec Tonton Mobali, on va discuter. Et puis voilà. Mais j'ai bien aimé la sœur. Vraiment, ça serait intéressant qu'on ait de plus en plus de sœurs comme ça dans la communauté. Il nous faut vraiment ce type de sœur et ce type de mentalité. Tu vois ? Tu te retrouves dans une situation, il y a une injustice contre nous, tu ouvres ta bouche. Tu ouvres ta bouche devant les locodermes. Tu. Il y a une sœur pareille qui avait témoigné. C'était la sœur qui est dans le vaudou. Et je pense que c'était un frère. Elle travaillait. Il y avait un frère qui ne parlait pas très bien le français. Et le frère, il s'est fait charrier par des locodermes ou je ne sais pas quoi. Et la sœur, elle a pris position. Ça m'avait vraiment touché. Il faut qu'on soit comme ça, les amis. Il faut vraiment qu'on soit comme ça. Bon, les amis, faites sonner le téléphone de Mobali. Ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas? Mon téléphone, il sonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Allez les amis, faites sonner le téléphone de mon Bali. Ah, la sœur, elle était encore en ligne. Donc ça se trouve quand vous avez appelé, en plus mon téléphone, je l'ai mis en silencieux. Donc ça se trouve ça sonnait et je n'ai pas truc. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et si vous voulez sur ce sujet, mais on peut parler du sujet de la dernière fois. Oh oh. Anaïs. Oui, ça avait coupé, là, je crois. Oui, ma sœur, c'est terminé pour toi. Ah, okay. Toi, tu as été virée, mais nous, on va commenter. Donc maintenant, tu peux suivre le live et tu vas voir les gens s'ils ont adhéré à ton truc. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ouais. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé un peu du taf de la sœur. Je remets mon numéro. N'hésitez pas à appeler, comme ça, on discute un peu entre nous, tranquille.
Alors, de ça, ou si vous voulez, on parle de, du live de la dernière fois. Hein. D'ailleurs, après, d'ailleurs, pour les gens qui ne sont pas abonnés, faites-le, c'est très, très important. Parce que les lives qui vont venir bientôt, il y aura vraiment, vraiment du lourd. Et j'ai cru comprendre que certaines personnes se plaignaient parce qu'ils ne recevaient pas les notifications. Alors, je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui se passe avec les locodermes. Je ne sais pas s'ils tournent les boutons. Mais de toutes les façons, vous le savez. En général, les lives, c'est tous les week-ends. Donc, samedi, dimanche. Donc, il n'y a même pas besoin d'attendre les notifications. Hein, vous le savez, vous prenez l'initiative, vous venez sur la chaîne. Donc, en général, c'est vers 17h, entre 17h et 19h. Donc, ne cherchez, si vous ne recevez pas la notification que vous êtes abonné, sachez qu'on veut juste que Mobali, là, que sa chaîne ne monte pas, parce qu'on commence à monter. Là, on a dépassé les 20 000 et ils ont tellement les chocottes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des notifications. Otep, la famille. Otep, comment tu vas? Tu es en ligne? Oui, je sais. Bonjour, bonsoir, Otep, tout le monde. Comment tu vas? Bien, bien, et toi? Excellent, ma sœur. Dis-moi, tu m'appelles d'où et comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Mayani. Ok. Je t'appelle de Luxembourg. Oh! Donc, voilà. Ok. Parfait, ma sœur. Alors, oui, je peux parler? Vas-y. Alors, moi, c'est pour dire que je soutiens absolument la sœur et je valide 100% ce qu'elle dit, vu que moi aussi, moi-même, je suis éducatrice. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec elle, puisque moi aussi, c'est une petite situation comme ça, que si on n'observe pas très bien, ça passe inaperçu. Et donc, c'est comme elle dit, la sœur, c'est vraiment des petites choses comme, par exemple, quand j'arrive avec mes cheveux afro, les enfants, les petits-enfants noirs, les petites filles me disent « Ah, mais tes cheveux sont bizarres aujourd'hui. » Waouh. Ça peut passer par des choses comme ça. Ou des filles qui jouent ensemble entre noirs et dès qu'il y a une petite locoderme qui arrive… Mm-hmm. On met les petites noires de côté et on entend les commentaires vraiment désagréables. On voit qu'ils mettent vraiment les petites filles en premier. Voilà, on préfère être amis avec des petites filles blanches plutôt qu'avec une petite fille noire. Ou par exemple, c'est dans des petites anecdotes. Hein. Wow. Mais c'est quand même très important puisqu'on voit que même quand tu leur demandes leurs origines, ils te disent, ils vont pas te dire « je suis par exemple congolais » ou « je suis peut-être sénégalaise » ou voilà, ça va être « je suis portugaise » ou « je suis française » ou « je suis… » Voilà. Donc voilà pourquoi je pense que c'est effectivement en dehors de la maison qu'on peut aussi très très bien constater ce genre de choses. Mm-hmm. Mais le travail doit commencer à la maison. C'est clair. C'est-à-dire qu'on doit vraiment… valoriser vraiment tout ce qui est de notre communauté. Mmh. Et pour ça, c'est très important de, avec l'aide des images, il faut leur montrer des images. Les enfants sont vraiment très, très attentifs à ce qu'ils voient, puisque justement, ça comment je pourrais dire, ça les. Attends, toi, t'es dans mon groupe, toi. Exactement. Pourquoi tu carottes les gens? Mais c'est l'équipe Moutou, c'est pour ça que je dis. Mais si, mais je connais, mais c'est ma soeur, ça. On est toujours là. Vas-y, vas-y. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est pour dire vraiment que je trouve que c'est quelque chose, un sujet extrêmement important parce qu'on discute beaucoup entre adultes, entre jeunes et tout ça, mais on oublie que c'est un travail qu'on fait pour nous, mais c'est aussi un travail qu'on fait pour les enfants et on ne peut pas, faire ça juste de notre côté et oublier que on est déjà en train de faire quelque chose. Donc, il faut déjà, dès maintenant aussi, introduire ça dans l'éducation et montrer l'importance que c'est maintenant. Parce que ce n'est pas parce qu'on en parle maintenant qu'il faut commencer avec les enfants dans 10 ans. Donc, c'est maintenant. Mais ce que je veux savoir, toi, comment tu t'y prends pour que les gens essaient peut-être de copier ta méthode. Comment toi, tu t'y prends pour que tes enfants ne se retrouvent pas dans cette situation ou pour que tes enfants, lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation, ils puissent se défendre? Alors, disons que moi, voilà, la façon que moi je travaille, parce que moi, ça fait maintenant quelques années que je me suis vraiment dit que, en observant certaines situations, je me suis dit, d'accord, mais moi, là-dedans, comment je fais? Est-ce que je laisse courir et je fais semblant de ne rien voir?
ou il faut quand même que je trouve le moyen d'en placer une aussi de temps en temps. Vu que les locodermes, eux, ne vont pas toujours saisir la chose, ou quand ils vont le saisir, ils vont essayer de saboter tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que moi, déjà, je ne peux pas venir au travail, parce que ça m'est arrivé hein, à l'époque où j'étais encore complètement aliénée. Mais une fois que je sors de ça, je ne vais pas venir travailler, continuer à venir travailler avec des perruques, avec un tissage, avec tout ce genre de choses. Donc, je viens au naturel, et quand ils me posent des questions, je réponds. Je dis vraiment, pourquoi est-ce que je suis fière d'avoir les cheveux comme ça ? Avec les enfants qui posent des questions, je leur dis, mais est-ce que quand tu dis ça, tu as déjà entendu parler de telle histoire ou telle histoire, j'essaie de les intriguer, vraiment de les intriguer à l'aide de petites histoires afin qu'ils viennent tout le temps me demander à porter des poupées noires s'ils n'en achètent pas. Il n'y a pas de souci, j'investis, j'achète une ou deux poupées noires et je les emmène au travail. Je sais que Momi, c'est avec son livre qu'il a sorti, ben, je me le suis procuré, je le lis et ça m'inspire pour raconter des petites histoires. Quand je vois qu'ils ne savent pas d'où ils sont, je leur dis, parlez à vos parents, posez-leur des questions. Je leur explique que quand ils regardent une map monde, une carte du monde, je leur dis, mais vous savez que l'Afrique, ce n'est pas un pays. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Il faut se dire, tous les petits moments qui nous paraissent anodins, ils ne sont pas anodins. Ils ne sont pas du tout anodins. Donc, il faut vraiment, pour moi, en tout cas, en tant qu'éducatrice, c'est ce que j'essaie de faire. Ou en réunion, je le dis, mais il faut prendre en compte aussi la culture. Ici, on est au Luxembourg, il y a un système de pensée, mais vous devez quand même vous rendre compte que dans les familles qui sont d'une autre culture, ben, ces choses-là, c'est pas on ne comprend pas ça quand vous le comprenez. Donc, il faut aussi, quand on veut réagir... La mettre à la poubelle, mais plutôt de comprendre ce qui se passe. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je travaille et j'essaie de m'inspirer, de comprendre la psychologie de l'enfant et le type de vidéo qu'on a vu là, c'est... on a déjà vu ce genre de vidéo. Attends, bouge pas. Mais bouge je peux pas. Vous dire que ce n'est pas bouge juste pas. Une petite vidéo. C'est bouge réel. Pas. Bouge pas. Oui. Otep. Allô, allô, allô. 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 Ouais. Oui. Bali. Oui, ne bouge pas, je finis avec la sœur et je te reprends, ok? D'accord. Oui. Merci. Oui, vas-y ma sœur, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, non, c'est pas grave, mais je ne vais pas la faire longue, mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, tu parlais de culture. On sait que nos enfants sont beaucoup placés devant les télés, devant les médias, tout exact. Ce qui se passe. Voilà. Et je trouve que c'est très important de moi, personnellement, je n'ai peut-être pas le talent de créer un dessin animé ou de... Je n'ai pas encore pensé à faire un livre, mais je suis comme la sœur, je note beaucoup de choses. Et c'est aussi pour voir comment transformer ça en autre chose. Donc, c'est parler ensemble, trouver des solutions, trouver des idées et tout ça. Mais dans la culture, il faut montrer qu'on s'habille aussi avec des choses de chez nous. Exact. Par exemple, c'est la musique, leur dire, mais moi, tu sais que quand je vois ce clip-là, je trouve que ça, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Voilà ce que ça fait. Toujours adapté à l'âge de l'enfant, parce que l'enfant comprend très, très jeune. S'il voit qu'à la télé, c'est ça qui est la mode, évidemment qu'il va prendre ça pour modèle. Mais si, donc, si on montre aussi autre chose de la culture et qu'on leur explique, à un moment donné, ils vont aussi le prendre. Ils vont l'adopter. C'est clair. Voilà, donc voilà, ça, c'est ce que je voulais apporter. C'est, ok, ma sœur. C'est un peu ma part. Ok, merci à toi. Bon, à très bientôt, on se retrouve dans le groupe, puisque de toutes les façons, tu fais partie de la famille, toi. À plus tard. Tout à fait. Au TEP. À très bientôt. Au TEP. Mon tout pour la vie. Ensuite, je vais passer à une autre sœur. Au TEP, ma sœur. Au TEP, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mon Bali. Tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement, on peut y aller. Dis-moi comment tu t'appelles et d'où tu appelles. Moi, je m'appelle Ngonda. Gondan Jimmy. Alors, je t'appelle, c'est pour soutenir la sœur. Parce que moi aussi, j'étais animatrice, par contre, animatrice scolaire. Ici, en locodermie, là? Ou en Afrique? Oui. OK. Non, ici, en région parisienne, dans les Yvelines. Et ben, j'ai tenu 3 ans seulement parce que j'ai pas pu. C'était vraiment à l'école, dans l'école ici. C'est du vrai n'importe quoi. J'ai tombé de haut
de ce que je vivais là-dedans. Sérieux? J'étais tellement traumatisée que je n'ai pas voulu qu'on renouvelle mon contrat, je suis partie. Oh. C'est du n'importe quoi là-bas. Pourtant, moi aussi, j'ai eu des enfants ici qui sont déjà adultes. Moi, je suis déjà d'un certain âge. Hein. Mmh. J'approche à la retraite. Attends, bouge pas. Reste avec moi, bouge pas. Je vais juste prendre la personne, je vais la faire attendre. Allô. Ah, bon, elle est partie. Vas-y, ma soeur, désolé, vas-y. Oui, alors, donc, je disais, je ne savais pas que les systèmes scolaires étaient pourris comme ça, mais vraiment, là-dedans, c'est du... J'ai vu des choses... Allô, tu m'entends? Oui, je t'écoute. J'ai vu des choses, mais vraiment inimaginables, insupportables. Les enfants insolents, le milieu pourri, tout le monde se tape dessus, des coups bas à tout va, vraiment... J'ai l'impression que l'éducation nationale, ils prennent des ratés, vraiment des ratés de la société, pour cadrer vos enfants, pour cadrer les enfants. Mais comment ça, ma soeur? Mais c'est quand même l'école de la République. Comment tu oses dire un truc comme ça? Oui, la République, mon œil, franchement. Et non seulement ils apprennent rien là-dedans, je te dis rien, mon Baldéry. Ils apprennent pratiquement. Et en plus, moi, je partais travailler avec mes habits en pagne, parce que je m'habille beaucoup en pagne. Ah ouais? Il y avait un jour, il y avait le fils d'une maîtresse de l'école primaire qui était à côté. Moi, je ne savais pas que cet enfant était l'enfant de la maîtresse. Ouais. Et l'enfant dans la cour de récréation, chaque fois qu'il me voyait arriver, ces enfants-là m'observaient tellement avec mes tissus pagnes. Mmh. En plus, en été, au printemps, quand il y a du soleil, vous savez comment le pagne, nos boubous, là, comment ça fait joli. Oui, oui. Et l'enfant, il me suit dans la cour. À chaque fois, il me suivait. Il me regardait. Je sentais qu'il était subjugué par les losanges. Par la puissance de l'Afrique, ma sœur. Tu peux le dire. Parce que tu sais, le wax, là, tu sais, avec le soleil, comment ça donne les couleurs. Voilà. L'enfant était subjugué par les couleurs. L'enfant regardait mes couleurs. Après, un jour, il vient, il me fait... Il avait 5 ans, hein, il vient, il me fait... Mais tu sais, t'es trop belle. T'es trop belle, mais j'aime bien ce que tu mets, les couleurs. Je voyais mes yeux de l'enfant, mais vraiment écarquillés sur moi. Tu sentais que les couleurs qu'il me voit mettre tous les jours, là, j'avais des pagnes de toutes les couleurs et l'enfant, et j'attachais le cheveu. Mmh. L'enfant me regardait, puis sautait. C'est pas ma personne, hein, mais je veux dire, l'effet du tissu, l'effet du tissu me faisait que l'enfant, il avait les yeux écarquillés, il sentait qu'il m'aimait, il me suivait partout dans la cour. Il me suivait. Partout. Et ça m'avait beaucoup interpellée. Je me suis dit, tu vois, mais quand il sera grand, on va lui montrer que ce tissu-là, c'est pour les Africains, c'est pas beau, il va rejeter. Mmh. Mais maintenant qu'il est naïf, il apprécie, il aime. Parce que les enfants, c'est vraiment la naïveté. Là, il apprécie. Mais c'est même pas la naïveté, c'est parce qu'ils ressentent les choses telles qu'elles sont. Voilà, tu vois, et pour un enfant, tu vois, il sait que ça, c'est bon. Il n'y a pas besoin de lui dire, il sait reconnaître par instinct. Les enfants, ils sont purs. Ils ne sont pas, pour l'instant... En fait, c'est lorsqu'ils grandissent qu'on les aliène. Mais quand ils sont enfants, quand ils sont tout petits, ils sont purs. Si quelque chose est bien, ils vont te dire que c'est bien. Par instinct, juste... Et je te dis, quand ils voient ça, quand l'enfant te dit que c'est beau, c'est parce que lui, c'est ça le standard de la beauté. Tu aurais été en Zara, tu aurais été en Gucci, l'enfant ne t'aurait pas dit que tu es belle. Alors là, mon frère, je te dis, moi-même, j'ai vécu des trucs avec ces enfants blancs, le coderme, là, le coronavirus, là. J'ai senti des choses avec eux que je me suis dit, tu vois, c'est comme ça que plus tard, on va leur faire rejeter du côté africain. Et comme moi, je m'habillais, j'étais beaucoup avec beaucoup d'aliénés, des sœurs aliénées, et j'étais la seule à mettre mes pagnes. Et je ne mettais jamais de pantalon parce que je m'habille pas en pantalon. Moi, j'ai grandi pourtant ici. Je suis arrivée ici, j'avais 15 ans. Moi, mon premier pantalon, je l'ai mis à 45 ans. Tellement je ne supportais pas les pantalons. J'étais toujours en jupe. Attends, ça, il faut qu'on en parle, ma sœur. Laisse-moi mettre une parenthèse ici. Mais pourquoi tu n'aimes pas le pantalon? Ah non, le pantalon, pardon, mon frère. Là, je mets maintenant parce que j'ai vieilli et je ressens le froid. Mais quand j'étais jeune, même à 0 degré, je mettais que les pantalons, que les jupes. Et sans collant, toujours les jambes, non. Là, mais vraiment,
J'étais la seule à m'habiller en tissu paille. J'avais toutes les couleurs parce que j'en ai une série. Et là, même... Allô? Je t'écoute. Et là, même les maîtresses, les maîtresses racistes, là. Un jour, il y a une maîtresse qui m'a dit « Ah, Léonie, qu'est-ce que tu nous fais du bien avec toutes tes couleurs ?» Mais vraiment, quand tu viens, vraiment, ça sent... Tu ramènes le soleil, tu ramènes l'Afrique avec toi. Elle me dit « Ça sent la gaieté, mais vraiment, mais dis donc, t'en as combien de ces vêtements comme ça ?» Parce que j'en mettais un tous les... Mais de toutes... Et je tournais mon foulard de tous les côtés, des machins. Et ils n'avaient jamais vu ça comme ça. Alors là, mais je t'ai dit, Mobali... Mais cet enfant, ça m'a marqué, mais je sens les yeux de l'enfant. Comme il est petit et que je suis grande, il me regarde, il regardait, je sentais, il regardait mon foulard, comment j'attachais mes cheveux, il regardait la couleur, le pagne, ça le subjuguait, mais l'enfant me suivait partout dans la cour. Mais, et après, c'est après que j'ai su que c'était l'enfant de la maîtresse. Mmh. Et en plus, quand tu es à la cantine, ils arrivent même, ces enfants, ils sont tellement d'une faiblesse. Tu sais, moi, j'ai éduqué mes enfants ici. J'ai élevé 4 enfants toutes seules, donc je sais de quoi je parle. Mmh. Ils sont à la cantine, même pour éplucher une banane. Ils n'arrivent même pas à éplucher la banane. Et ces mêmes enfants, demain, ils vont aller pondre les lois. Mais je leur ai dit ça à la cantine. Mais je les insultais tout le temps. Hein. J'étais insupportable. Mais vraiment, parce que tu sais, en plus... D'autant plus que moi, j'ai fait 25 ans ici, je n'ai pas travaillé pour le coronavirus. Attends, bouge pas. Oui. Otep. Allô. Allô. Je vais te prendre et tu ne réponds pas. Allô. Bon, il nous a quittés. Ah, la sœur aussi nous a quittés. Je la rappelle comme ça, elle finit sa phrase. Ah, la sœur, elle n'a plus de crédit ou quoi ? Je sais pas. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie du 06. Bon, peut-être qu'elle va me rappeler. Non, mais les amis, restons nous-mêmes. En fait, les locodermes, ils nous kiffent. Ils aimeraient bien être à notre place. Toute cette jalousie, c'est parce qu'ils voient en nous ce qu'ils ne seront jamais. Nous sommes des dieux. Tout cela, c'est juste de la jalousie. En fait, c'est juste une question d'amour. En fait, si vous voulez, le rapport qu'on a, c'est juste un rapport d'amour. Tu vois ? C'est un rapport d'amour. Parce qu'en fait, c'est des gens, ils veulent juste être à notre place. Mais ils savent qu'ils ne le seront jamais. C'est tout. Tout le reste, là, toute cette méchanceté-là, c'est juste ça. Ils nous kiffent. Allô ? Allô ? Oui, ma sœur. On a été coupé ? Oui. Oui. Alors, donc, je disais, quand tu es à la cantine, on leur donne les bananes. Ils n'arrivent même pas à ouvrir leurs bananes pour manger. Il faut tout faire à leur place, quoi. Tu m'entends ? Bien sûr que je t'entends, mais j'apprends rien, ma sœur. Comment ? J'apprends rien. Une fois, ils ont fait une émission et pour certains enfants, ils pensent que les carottes, tu vois, ça sort des barquettes. Ils ne savent pas d'où sortent les carottes. Ils ne savent même pas d'où sortent les pommes de terre. Ils ne savent pas tout cela. Ils n'ont jamais vu ça, frère. Les bananes, ils arrivent même pas. Il faut passer par table pour leur ouvrir les bananes pour qu'ils mangent. Oui, et je puis, sais. En plus, je leur dis, en plus, regarde-moi tout ça là. Demain, ils vont aller à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont juste blancs. Ils font les lois pour nous embêter. Enfin, ma soeur. Bah, moi aussi, je vais t'appeler. Il faut que je prenne l'autre auditeur. On se check tout à l'heure, ok ? Otep. Allô ? Oui, c'est Francis. Oui, c'est pas Francis, c'est Mobali. Francis, il est reparti chez lui. Non, moi, c'est Francis. Toi, tu t'appelles Francis ? Mais qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne ? J'entends Francis par-ci, Francis par-là. Je sais quoi, tu dis pas. Vas-y, mon ami. D'où tu appelles ? Oh, il a coupé. Je prends l'autre. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, alors ? Oui, mon frère. Oui.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est le frère Kouadio, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Mais je suis en France. Voilà, je suis l'un de vos fervents auditeurs. Je ne rate pas une émission, donc ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Merci mon ami, ça me fait plaisir d'entendre la voix de l'Afrique. Oui, bon, je vous suis. Bon, par rapport au sujet de la dernière fois, je voulais quand même intervenir, oui. Si ça ne vous gêne pas trop. Non, il n'y a pas de souci, on a un peu de temps. Oui, concernant ben, ceux qui disaient qu'il fallait soit inviter le pasteur Jean-Fils Aimé ou pas, ou tout ça, quoi. Bon. Moi, en vous suivant habituellement, je me suis dit que vous parlez à peu près de la même chose, mais c'est que les contextes ne sont pas les mêmes. Voilà, vous êtes vraiment un kamite affirmé. Lui, je pense qu'il est quand même en train de sortir de là. Et on a presque tous le même combat, mais ce n'est pas les mêmes méthodes. Donc, je voulais que vous soyez moins dur avec lui. Non, mais tu sais, mon ami, bon, après, je pense que je ne me suis pas... après, mon problème c'est à moi... C'est à peu près les mêmes sujets dont vous parlez. Mais tu sais, dans la vidéo, quand oui. tu regardes, j'ai été très, très clair. J'ai même oui. dit que ce que lui, il fait, on en a besoin. Dans ma vidéo, là, c'est vraiment très clair. Oui. Je l'ai dit. Oui. Et oui. j'ai dit qu'il y a certaines personnes, ils ont besoin de ce type de discours pour pouvoir oui. faire la transition. Mais on ne peut pas tous... Tous les gens qui parlent de ces histoires, on ne peut pas être tous, d'accord. toutes les, on peut pas être ceux qui font que de la transition. Il y a certaines personnes, ils ont déjà fait la transition il y a très très bien très sûr. Longtemps, et ils ont besoin d'un autre type de discours. Oui. Et c'est là où moi je rentre en truc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que nous faisons, oui, je comprends très bien. Nous avons le même objectif, mais premièrement c'est pas le même oui. public. C'est le, moi mon public il est un peu particulier. Il y a certaines personnes qui squattent, qui viennent parce ici. Parce que bon, lui, il dit il est pasteur, en même temps, il est vaudou. Ça ne veut rien dire. Bah, comment tu peux être... Après, c'est là où je veux... il y a quand même une en contradiction. En même temps qu'il dit qu'il est passeport, voilà, et il est vaudou. Bon, là, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dans le fond, c'est quelqu'un qui connaît vraiment la Bible, il décortique bien la Bible, il met tout le monde en face des contradictions en disant que c'est du grand n'importe quoi. On croit à ça comme si c'est une parole de Dieu alors que c'est une idéologie qu'on... politique, c'est juste une idéologie politique, oui, c'est oui. rien d'autre. Donc, mais, oui, mais voilà. une fois que tu as fait ça, mon travail, parce que ici le critère c'est juste quelqu'un qui critique la Bible. Allô et puis on l'a. Tu m'entends, frère? Tu m'entends? Oui, oui, très bien. Voilà. Je t'entends. En fait, moi, je n'ai rien de personnel avec ce frère. Ça se trouve que c'est un frère. Si je le rencontre, oui. je vais rigoler avec lui. Je n'ai aucun problème. Le problème, c'est même pas un problème. Le truc qui nous oppose, c'est dans l'approche. Oui. C'est dans l'approche. C'est bien un sûr. Peu, c'est comme si lui, c'est Martin Luther King et moi, je suis Malcolm oui. X. Tu vois? Oui. C'est juste ça, en fait. Tu vois? Mais on se bat pour notre peuple. Mais la méthode, la façon de faire... Oui, parce que là, le mal que l'Occident et les Arabes nous ont fait depuis presque 1000 ans, pour se débarrasser de ça, ça ne sera pas du jour au lendemain ou une prise de conscience. C'est déjà ancré depuis des générations dans certaines familles. Donc, pour déconstruire cela, on a besoin de beaucoup de force. Exactement. Voilà. Même si les méthodes ne sont pas les mêmes, mais, il faut qu'on mais fasse... on a vraiment besoin de la force. Mais il faut qu'on fasse attention, mon ami, parce que nous avons un continent à bâtir. Nous devons imposer nos oui. valeurs. Donc ici, pour moi, c'est très, très important lorsque quelqu'un bien est public, sûr. Quelqu'un est public, pas quelqu'un qui fait ses choses dans sa chambre, mais à partir du moment où tu ouvres ta bouche, que beaucoup de gens te suivent, tu dois véhiculer des valeurs en oui. plus du message. Parce que sinon, si, oui. ce dont tu parles, ça ne colle pas, tu ne le reflètes pas, tu deviens un danger. Tu comprends, mon pote? C'est un peu comme moi, la Mobali, je parle. Ok, là j'ai compris, je voulais... Ouais. C'est comme si moi, là, je parle, oui. les gens me suivent, mais à côté de moi, il y a une bouteille d'alcool, oui. ou bien à côté de moi, il y a du rhum ou des choses comme ça. C'est-à-dire que pour moi, pour les gens qui oui, me suivent, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Oui. Tu comprends ce que je veux oui. dire? Donc, on se doit, à un certain oui. niveau, de prendre cette responsabilité et se oui. dire, ok, je suis quand même quelqu'un de public, je dois faire attention à l'image que je véhicule. Parce que oui, les gens sûr. Me suivent. Oui. Tu vois, et c'est là où je commence à être en opposition avec le frère. Tu vois, parce que je ne veux pas ouvrir cette porte. Parce que si je l'ouvre, du coup, ma chaîne, il n'y a plus
Il n'y a plus de barrière. Donc, dans ce cas, je peux inviter les femmes à tissage sur ma chaîne, inviter les femmes à perruque sur ma chaîne, inviter du grand n'importe quoi, oui. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'éthique. Oui. Tu comprends? Oui. Et c'est juste ça que je voulais pointer. Mais oui. Ici, ce n'est pas par rapport au frère. C'est vrai que le nom du frère, il est oui. sorti, mais ce n'est pas lui. C'est toute une communauté comme ça, des gens qui ont des fois des bons arguments. Mais je ne peux pas dealer avec eux. Tu vois, je refuse de dealer avec eux. Même si je vois qu'ils font un bon travail. Mais par rapport à ce que moi, je veux faire de ma chaîne, par rapport au message que je veux mettre en place, j'ai pas envie. Oui. Je te donne encore un exemple. Hein. Okay. Tu sais, les gens, quand ils viennent, en général, oui. sur ma chaîne, quand ils m'appellent, la plupart d'entre eux, comme ils connaissent notre façon de fonctionner, la plupart d'entre eux, quand ils se oui. présentent, ils se présentent avec leur prénom Kamit. Et quand ils n'en ont pas, oui. eux-mêmes, sans même moi-même que j'ai dit quelque chose, disent « Pour l'instant, j'ai un prénom de locoderme. » Donc, ils oui. savent que chez Mobali, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce oui. que nous véhiculons un type, un fonctionnement. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on doit faire. D'accord. Voilà. Ok, mon ami, c'est bon ? On est ok ? Tu fasses une émission sur l'Afrique d'aujourd'hui. Tu m'entends? Oui, mon ami. Tu as un sujet à me proposer sur l'Afrique d'aujourd'hui? Allô? Oui. Oui, oui, oui. Que tu fasses une émission sur l'Afrique d'aujourd'hui. Parce que moi, j'y vais souvent en Côte d'Ivoire, je vis en France. Mm-hmm. Mais il faut savoir que nous, dans nos coutumes, dans nos traditions, mm-hmm. on a énormément de faiblesses sur lesquelles les locodèmes se sont appuyés pour nous dominer. Donc, tant qu'on ne fait pas des efforts dessus, ça va être difficile. Les Africains, par exemple, par rapport à la sorcellerie. Mm-hmm. Voilà, ce sont des sujets aussi, il faut que tu débattes. Mais on mon attaque... frère, mais qu'est-ce qu'on appelle oui. la sorcellerie? Après, restons voilà. un peu là-dessus. C'est quoi la sorcellerie D'accord. pour toi? Bon, en Côte d'Ivoire, par exemple, surtout avec l'effervescence des églises évangéliques, là, on va dire maintenant 80% des Ivoiriens ne partent plus au village. Chez eux, voilà, leurs parents, c'est des sorcellers. Au village, voilà, c'est des démons, c'est des diables. Donc, ouais, ça, il faut partir à Jésus, avec ça, on va connaître la lumière et on ira au paradis. Mmh. Et c'est tellement ancré dans les têtes et que pour commencer à enlever cela, ben, comme une fois le frère Lasconi disait, ça sera une guerre civile. Donc, c'est quelque chose aussi qui est très présent, dont je souhaiterais que tu fasses une émission dessus. Ok, mon ami, pourquoi pas? Mais tu sais, ma chaîne, c'est pas... dans la tête de la plupart des Noirs que c'est de la sorcellerie. Ok, mon frère. Oui, ça peut être intéressant. Allô, mon frère. Okay. Tu m'entends? Ouais, je note. En tout cas, merci voilà. pour ton intervention. Ok? Voilà. On est ensemble. Je te remercie. Au TEP. Bon courage, bonne continuation. Et puis, ben, voilà, au TEP. Au TEP. Allô, allô? Oh. Oui, tu m'entends? Allô? Allô, c'est la Guadeloupe qui m'appelle. Allô, allô. Non, 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 c'est pas de la Guadeloupe. C'est, ben c'est l'ex... Allô, tu m'entends? Ouais, c'est marqué Guadeloupe. Donc, ok, bon, mon téléphone dit n'importe quoi. Ah non, je suis au pays du gars aux cheveux blonds, là. Ok, d'accord. Mon pote, actuellement, il a chopé le COVID-19. Dis-moi comment tu t'appelles et d'où tu appelles. Oh. Oh, je te fais garder l'anatomie. Hein. Non, mais ça va. Ça va. Non. Il voulait garder l'anonymat. Il a dit qu'il veut garder l'anatomie. Ouais. À la langue du locoderme, c'est pas grave, mon frère. Garde l'anatomie. L'anatomie, c'est okay, ça. Garde l'anatomie, y a pas de souci, on est ensemble. Mais tu voulais qu'on parle de quoi? Tu voulais parler de quoi, mon frère? Tu le connais pas la voix aujourd'hui. Je suis un peu enrhumé là, donc ça fait que peut-être que tu le connais pas la voix sur le téléphone aussi. Oui, c'est l'ex. Aliéné dernier cri. Le dernier cri, mon frère. Celui qui a durci ouais. les fesses. Ouais, maintenant, ça va. C'est l'ex-musulman. Ouais, je suis devenu une sorte de grec maintenant. Une sorte de grec à des suppositoires. Ah oui, mon pote. J'encaisse. J'ai les fesses dures maintenant. Ça passe.
Et il faut dire que j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour la communauté. Tu sais, au début, c'est difficile. Oh, ça a coupé, c'est mon frère. C'est pas facile. Hein. Moi, je crois que même Cheikh Anta Diop avait déjà dit ça. Il avait dit que même quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore totalement fait. Parce que le mal que l'oppresseur a fait est tellement profond. C'est clair. Et il faut comprendre, il faut comprendre. Il faut comprendre. Moi, je comprends un peu. Je comprends aussi que toi aussi, tu trouves que tu as été frustré, tu ne peux pas perdre le temps encore avec des gens qui ne veulent pas avancer. C'est comme quand le sèche dit il est comme un urgentiste sur un lieu d'accident. Il ne va pas perdre le temps avec ceux qui sont déjà morts. Exact. Il peut être intéressé à ceux qui sont blessés graves, les trucs comme ça. Donc, on comprend un peu, mais il ne faut pas qu'on perde espoir. Moi aujourd'hui, je vois en quelques mois, en quelques années, le stade que j'ai atteint actuellement, alors que j'étais irrécupérable il y a 2-3 ans de cela, j'étais un aliéné à fond. Moi, je voyais mes ancêtres. Moi, je cherchais mes ancêtres du côté de l'Arabie Saoudite. Sérieux? Ouais, quand tu es musulman engagé, bon, c'est le prophète qui... Ouais, tu cherches à avoir une filiation avec le prophète Mohammed. Ah ouais? Ouais, t'as envie de te détacher complètement de l'Afrique. Tu sais, quand tu lis la Bible, t'as envie de te rattacher à l'Égypte pharaonique. Parce que après Shaitan en islam, c'est Pharaon qui vient après Shaitan. Oh, t'es sérieux? Tout ce qui est rattaché à... Oui, après le diable, c'est les pharaons. Pharaon. Et quand tu dis pharaon, il y a une expression arabe où tu dis l'anatoula alay. Oui. Ça veut dire que la malédiction d'Allah soit sur lui. Sur le pharaon. Oui, quand tu dis Mohammed, quand tu dis le prophète Mohammed en islam, quand tu dis le prophète Mohammed, tu as presque une obligation de dire sallallahu alayhi wa sallam pour dire que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Et quand tu dis Pharaon, tu dois dire que la malédiction de Dieu soit sur lui. Vraiment. Ouais, tu vois vraiment. Le niveau d'aliénation. Ouais, quand tu es dans ce truc-là, tu es vraiment à fond. Et tu sais, tu peux rompre même les liens de parenté avec ceux qui ne veulent pas suivre l'islam. Moi, comme ça, j'ai des amis qui ont rompu avec moi. Aujourd'hui, je fais un peu attention. J'ai changé, j'ai mis New Media. New Media, c'est le média. Tu vois, j'aimais beaucoup jouer aux jeux vidéo. Là. J'aime jouer aux jeux vidéo. Il y a un nouveau jeu vidéo. Bon, c'est un ancien jeu, Assassin's Creed. Qu'ils ont fait en Égypte. Ça s'appelle Origin. Et ils ont mis en avant un super-héros noir. Bon, c'était dans l'Égypte antique, les guerriers, c'était de Medjay. Donc, lui, il s'appelait le Medjay, Bayek le Medjay. Et comme j'ai changé de profil, j'ai utilisé lui son image que j'avais. Et j'avais beaucoup d'amis Facebook, des amis endoctrinés comme moi. Quand j'ai commencé mes démarches, j'ai commencé à poser des questions par rapport à l'Égypte. C'est des questions pour essayer de réveiller un peu les esprits des gens. J'ai dit, bon, la question que j'ai posée, un ami intime a rompu avec moi à cause de ça. J'ai essayé de faire le rapprochement entre l'actuel, là, l'Égypte arabique, là, avec les vestiges qu'ils exploitent actuellement. Tu sais que je pense que l'une des sources de revenus de l'Égypte actuelle, là, c'est dans le tourisme. Mais bien sûr, frère. Voilà, des pyramides, des momies, des trucs comme ça d'Égypte. Là. Et l'Égypte actuelle, c'est un pays islamique qui a l'une des plus grandes universités islamiques au Caire, je crois. Hein. Ils ont l'université Al-Azhar. Je ne me rappelle pas où exactement, mais c'est en Égypte. Et tu vois, je pense qu'ils subventionnent beaucoup de choses, genre des trucs islamiques tels que le Hajj, la construction des mosquées, le salaire des imams, avec l'argent qu'ils gagnent du tourisme, des œuvres qui sont supposées maudites en Égypte. C'est vraiment, frère, ce que tu me dis, ça donne envie de pleurer, quoi. Donc, vas-y, parle, parce que là, j'ai pas trop envie de... j'ai pas envie que ça sorte de ma bouche. Mais là, je commence à être en colère. Allô? Ah, frère, si tu peux juste revenir. Franchement, ton témoignage, là... frère, reprends. Allô? Tu m'entends? Ah, c'est dommage ce témoignage. Frère, si tu peux... J'espère que c'est lui. Otep. Allô? Ouais. C'est toujours le Camille Deluxe? Ah, le Camille Deluxe.
Allô, allô, frérot. Frérot, rappelle-moi, rappelle-moi, parce que ton témoignage, là, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Vraiment, j'ai envie que tu finisses. Je vais prendre un autre en attendant. Otep, Otep, la famille. Ah, il est en ligne déjà, Otep, Otep, Mouvali. Ouais, ça va? Ben oui, ça va. Bon, tu finis avec la sœur et puis je te relance. Ok. Ok. Allô, allô, allô. Allô, tu m'as... Oui, mon ami, t'es revenu? Ouais, je suis revenu. Oui, mon frère, finis ton témoignage. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de me dire... Voilà. Tu es en train de me dire... Oui. Que tout ce financement-là qu'on fait à travers l'islam, dont l'Égypte est quand même... Enfin, finance une grande partie, tout cela, ça vient de la... comme des momies égyptiennes, tout ce qu'on déterre là, tous ces artefacts qui se retrouvent dans le marché noir, hein, tout cela, c'est ça, c'est avec ça qu'ils financent leur mosquée, leur imam, leur truc. Et en plus de ça, dans leur prière, ils maudissent le pharaon. Ouais, c'est une source de revenus national. Voilà, c'est une source de revenus national. L'Égypte, le tourisme actuel. Récemment, ils ont déterré, ils ont ouvert un phage où ils disaient que c'était pour faire venir du monde là, en Égypte. À cause du coronavirus, le tourisme a baissé en Égypte actuelle. Donc, pour inciter les gens à revenir, ils ont déterré certains monuments, ils ont ouvert certains sarcophages. Ils ont même passé ça à la télé, là. Ah, oui, c'est vrai. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux. J'ai vu qu'ils ont déterré encore des choses. Donc, c'est pour ramener encore le monde. Hein. C'est pour ramener le monde, parce qu'actuellement, à cause du coronavirus, le tourisme a baissé. C'est pas ça? Ah, frère, il faut qu'un jour... Au café, ils n'ont rien de... Voilà, ils sont dans le désert, là. Tu sais ce que tu me dis, c'est chaud. C'est des choses que tout le monde sait. Ouais, c'est des choses que... Bon, on sait ça, mais tu sais, quand tu es dans l'aliénation, surtout les musulmans dans ce pays et la communauté musulmane même, normalement, c'est des choses qui devaient éveiller nos consciences. Parce que... Oh, ça coupe. Ah, son témoignage là est très important, mais je sais pas, les amis, ce qui se passe, ça marche pas. L'Égypte antique, les pharaons, les... Allô, frérot? Frère? Aïe, 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 c'est dommage, hein. Vraiment, les amis, c'est dommage qu'il n'aille pas jusqu'au bout de sa pensée. Je vais... Allô, frère? Non, ça marche pas. On va patienter en espérant qu'il me rappelle. Frérot, si vraiment tu m'entends et que tu peux rappeler, fais-le. Parce que ce que tu dis est quand même important, mais on a des problèmes de réseau, je ne sais pas, ça ne marche pas très bien. Donc si tu m'entends, rappelle-moi, parce que ce que tu as dit là, c'est très, 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 très important. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc si tu peux revenir, s'il te plaît, fais-le. On va patienter un peu, parce que le frère, il veut préserver son anatomie. Vous l'avez compris? Le kamite de luxe, le kamite de luxe. Si tu peux revenir, ça serait intéressant. On va patienter encore 2-3 minutes. S'il ne revient pas, les amis, ben je vais vous dire à demain, parce que demain, on a une grosse, grosse, grosse journée. On va parler un peu de quelque chose qui est important pour notre communauté, ça veut dire ce que nous mangeons. Parce que si nous mangeons bien, ben on tombe moins malade. Et si nous mangeons bien, ben on réfléchit mieux. Si nous mangeons bien, on est plus performant dans ce que nous faisons. Ah, j'espère que vraiment c'est lui. J'espère que c'est lui. Allô, allô? Allô? Oui, allô, allô, Mouvali? Oui, ma sœur, ça va? Oui, ça va, c'est encore Gunda. Ok. Oui, on a été coupé aussi. Oui, le frère, là, ce qu'il disait, là, c'était très intéressant. Ben oui, j'attends qu'il revienne, là. J'aimerais bien qu'il revienne pour qu'il puisse finir ce qu'il avait à dire. Parce que moi, je n'avais pas vu ces choses comme ça, en fait. Il m'emmenait dans un angle que je n'avais pas peut-être sous-estimé ou je ne sais pas quoi, j'avais négligé, mais effectivement, il a raison. Attends, j'espère que celui, ma sœur, je te recheck, parce qu'il faut vraiment que j'arrive là. Ouais. Allô? Otep, mon frère. Tu peux me donner ton nom et me dire d'où tu appelles? Nam Sambo, j'appelle du périphérique parisien. Ok. Je suis de l'émission en direct. Ok, mon ami. De quoi tu voulais discuter avec nous? Je voulais déjà te remercier dans un premier temps, faire du travail remarquable que tu fais et les personnes qui t'entourent aussi, hein, remercier tous du travail remarquable que tu fais. Et par la suite, du magnifique
travail que la sœur a pu nous exposer, d'accord. On nous prouvait encore une fois à quel point notre image était manipulée. Attends, mon ami, j'ai vraiment du mal à t'entendre. Soit tu as mis un kit main libre. Tout à fait, attends, je laisse tout de suite. Ouais, parce que là, c'est pas du tout du bon. Je pense même que tu es en voiture, non? Et là, ça va mieux, là. Voilà, là, c'est un peu mieux. Ok, super. Donc oui, comme je te disais, c'est vrai qu'on voit un travail remarquable sur ce qui a été fait aujourd'hui, sur l'image même de l'entité de l'homme noir, hein, noir, femme, homme, sur comment on peut avoir un rejet de nous-mêmes sur l'image. Mais ça, on a déjà vu sur pas mal d'émissions que tu l'as fait, sur les mauvais présages, les chats noirs, sur un tas de choses qui a été monté pendant ces dernières décennies pour pouvoir nous rabaisser sur notre couleur, sur notre image. Exact. Je suis largement victime moi-même parce que je suis dans le bâtiment et je suis plombier chauffagiste. J'ai eu la chance d'évoluer dans l'hôtellerie. J'ai évolué jusqu'à être responsable technique. Une des choses qui m'a plus chagriné dans mon combat pour qu'on puisse nous reconnaître intègres à chaque poste, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager pour une grande firme hôtelière. Et un peu partout, par rapport au poste qu'on occupe, dès qu'on est noir, on n'a pas le droit, plus ou moins, on va dire en locodermie, d'occuper un poste à responsabilité. Mais des fois, ce qui peut être le plus choquant, c'est de voir que nos propres frères rejettent même l'image de voir un frère à eux qui va avoir un poste dit en hiérarchie supérieure. Voilà. Et qui vont être les premiers à vous dénigrer quand vous êtes à ce poste. Pourtant, le combat que vous avez mené pour arriver là, il est pour la communauté. Il est pour la communauté. Il est fait pour faire reconnaître que la communauté, enfin pour ma part, pour ma part, ça a été très long et ça a été fait pour faire reconnaître qu'il n'y a pas d'un... Voilà, ce n'est pas notre couleur qui nous empêche d'être responsable, ce n'est pas notre couleur qui nous empêche d'être assistant. On n'a pas de barrière. Voilà. Et quelles que soient les barrières qu'on peut nous mettre, parce que j'ai eu d'énormes barrières. J'ai rencontré des difficultés énormes, des personnes qui ont tout fait pour me rabaisser du fait que je sois noir. Et j'ai tout fait pour me dire que si je reculais, c'était la communauté qui reculait. Exact. D'accord ? Que quand un ennemi nous fait face aujourd'hui, malheureusement, quand on est un homme noir, c'est une attaque envers la communauté. Et qu'à chaque fois qu'une personne va se rabaisser, va accepter ce tacle, c'est la communauté qui l'accepte. C'est pour ça qu'un acte aujourd'hui qui est mené pour faire monter la communauté, pour pas croire, mais aussi petit qu'il soit, nous élève. Et aujourd'hui, le travail que vous avez fait nous montre qu'il faut absolument, mais absolument, retrouver la fierté, parce que cette histoire de Barbie, elle est intéressante. Parce que finalement, Barbie, aujourd'hui, elle devient noire. Et ça aussi, il faut le retenir. Maintenant, certes, on lui met un défrisage, c'est sympa. Mais Barbie, elle devient noire. Donc ça, il faut en trouver une morale aussi et de comprendre que ils font rien sans nous. Et tout revient à nous à la fin. Sauf maintenant, que mon pote, il faut qu'on soit stratégique. Parce que certes, Barbie est noire, mais l'argent ne va pas dans la poche des noirs. L'argent va dans la poche des locodermes. Sur l'image, excuse-moi, quand je dis ça, c'est sur l'image, hein, c'est pas du tout dans les finances. Hein. Ah ben oui, rien ne revient. Parce que, ça nous dégrade. Parce qu'eux, ils savent bien que comme vous voulez ça, comme vous voulez des poupées noires, eh bien, on va mettre ces poupées noires. Ces poupées noires vont encore vous lobotomiser encore plus. Et en plus, on va s'enrichir sur votre dos. Donc, mon pote, on ne doit même pas être fier là-dessus. Hein. Il faut qu'on apprenne à un moment donné d'être dans les extrêmes. On ne peut plus maintenant perdre notre temps dans les flatteries, Je suis tout à fait d'accord. Ah oui, mon pote. À 100% avec toi sur ça. 100%. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Quand je voulais dire ça, c'était pas du tout pour du tout, mais à 0% les cautionner. Au contraire, d'accord. Pour moi, c'est excusez-moi, j'ai même pas envie de la vulgarité, mais bon, je vais pas revenir dessus. Mais c'est vraiment pour dire que s'ils en reviennent encore à vouloir nous pomper, même que ce soit les finances ou même c'est l'image que je veux revenir sur ça, c'est que derrière cette émite travestie, excusez-moi pour l'expression, on voit avant tout que l'image noire a besoin encore d'être utilisée. D'accord ? Et que avant tout, derrière,
nous, on doit comprendre que notre image, maintenant, on doit l'utiliser à bon escient et pas à mauvais escient. Pas là, nous laisser nous faire dégrader notre image. Voilà, tout simplement. C'était vraiment juste sur ce sujet. Après, oui, Barbie noire, c'est que ce soit Barbie noire ou que ce soit... Non, excuse-moi, je n'ai même pas de mots pour définir ça. C'est... Bon, en tout cas, voilà, c'est... il faut absolument que la communauté continue à combattre pour essayer de s'élever avant toute chose, ne pas reculer face à l'adversité, d'accord ? Reculer, c'est la communauté qui recule face à chaque combat, hein, dans chaque emploi, quel qu'il soit, d'accord ? Toujours faire face à nos oppresseurs, d'accord ? Ne pas croire que, et ne pas croire qu'un poste ne nous est pas permis ou inaccessible. Chaque poste, on y a autant le droit que n'importe quelle personne. Mon frère, tu es venu en mode Terminator. Je te remercie, comme dirait un homme politique. Au revoir. Bon, les amis, on va se reposer. Je prends le dernier appel. Otep, Otep. Otep, la famille, tu es en direct. Mon ami, je t'écoute. Tu peux y aller. Allô, 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 allô. Oui, allô. Oui. Otep, c'est Mobali. On peut y aller? Otep. Oui, on peut y aller. Ok. Maman, dis-moi d'où tu m'appelles et comment tu t'appelles. J'appelle de là. Je m'appelle Cécile. Je ne sais pas si c'est... Au revoir, au revoir, au revoir. On ne veut pas des Cécile ici. Au revoir. Tu vas porter la poisse. Déjà, ton nom me fait peur. Il faut nous donner le temps. Il faut nous donner le temps de... Donne-nous le temps de faire des choses comme il se doit. Toi, tu t'es d'abord appelé Francis, non, mon frère? Vas-y, je t'écoute. Je te taquine, je te taquine. Je sais. C'est la... Vraiment, je suis très contente de participer à l'émission. Et puis, par rapport à ce que tu fais, c'est une très, très bonne chose. Et franchement, ça éveille beaucoup les consciences. Et j'espère que le travail n'est pas facile, mais ça va mordre de toute façon. C'est la jeunesse actuelle est beaucoup à l'écoute. Et je pense que beaucoup de choses vont changer. Et j'apprécie vraiment ce que fait la sœur qui est passée, la sœur, oui. Ce pourquoi tu as fait. Oui. Parce que je vois des pions un peu partis. On est sorti un peu du contexte, alors que c'était en fait pour voir si le projet de la sœur est, oui. Est vraiment apprécié par rapport à ce qu'elle fait. Et c'est très encourageant de voir que... Il y a un problème dans notre communauté. Hein. Moi, j'ai des enfants. Mes enfants sont déjà assez... Elles sont grandes maintenant. Donc, j'ai deux filles de 21 et 18 ans. J'ai déjà dépassé un peu ce cadre-là. Cependant, je constate quand même que chez les petits, il faut faire ce travail-là. Il faut vraiment soutenir la sœur. Franchement, il faut la soutenir dans ce qu'elle fait. Et surtout, nous qui sommes ici avec nos enfants, ce n'est pas facile de faire en sorte que nos enfants puissent s'affirmer, se défendre. Exact. Avec tout ce qu'il y a autour d'eux, avec tout ce qui se passe, toutes les influences. Il faut qu'ils soient très, très forts mentalement. Et c'est à nous, les parents, de les accompagner avec nos moyens. On n'a pas beaucoup de moyens ici parce qu'on n'est pas nombreux. Parfois, ils se retrouvent dans la place. Ils sont seuls contre tous. Ils n'ont pas beaucoup de semblables dans les classes. Et puis, au niveau des amis, ce n'est pas évident. Ils sont obligés d'aller avec des autres personnes. Sinon, ils sont sans amis. Et c'est très, très compliqué, franchement. Je ne sais pas comment on va faire pour soutenir la sœur. Je ne sais pas si elle a donné beaucoup plus d'infos. La seule façon de la soutenir, c'est d'acheter ce qu'elle fait. La seule façon de la soutenir, c'est... Bah, encourager, dire que ce qu'elle fait, c'est bien. Parce que si personne ne l'encourage, tu sais, beaucoup de gens sont des fois de bonne volonté dans notre communauté, mais comme le mental n'est pas très fort, des fois, ils abandonnent. Ils abandonnent ou au pire. Tu sais, ma sœur, quand tu fais ça, à un moment donné, il faut quand même que tu manges. Mais si la communauté pour laquelle tu prends des risques ne te donne pas de quoi manger, ça veut dire ne te soutiennent pas lorsque tu fais des choses comme ça. Ça veut dire que
tu te dis, moi, je ne veux pas travailler avec les leucodermes. Je veux faire quelque chose qui va servir à la communauté, mais je veux que la communauté me rémunère. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est que personne ne te rémunère. Mais qu'est-ce que tu fais, ma sœur, à un moment donné, pour certains, je ne dis pas tous, eh bien, ils commencent à diluer leur message. Donc, la sœur qui était partie pour faire des choses communautaires, on va commencer à retrouver des Francis dedans, des Nathalie dedans. On va commencer à retrouver des Cécile dedans, des Jean-Luc. Eh bien oui, tu vas te retrouver dedans. Et du coup, la sœur, elle veut maintenant viser large parce qu'il faut bien qu'elle paye le loyer, il faut bien qu'elle mange. Et après, on sera les premiers encore à critiquer parce que la sœur, on ne se retrouve pas dans le message de la sœur. Mais c'est normal, on ne l'a pas soutenue. Tout à fait. Il faut qu'on soit quand même cohérent. Oui, oui, oui. Franchement, on va accepter. Je veux bien. Moi, je suis en Belgique, elle est en France. Oui. Je ne sais pas comment elle organise. Le lien, ma sœur, tu vas sur son. Elle a mis son lien. Ses ventes et tout. Tu verras dans le descriptif de la vidéo, je vais le mettre ce soir. Donc, il y aura toutes les informations. Il faut juste me laisser le temps que je mette tout. Tout à fait. Mais il faut soutenir la sœur. Ce qu'elle fait, c'est bien. Et puis, il faut qu'on ait cette habitude-là. C'est bien. On doit encourager ce qu'elle fait. Tu sais, ma sœur, parce que... Oui, il faut... Parce que des fois, quand tu commences dans un business comme ça, tu commences doucement, avec un petit budget. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas aller au bout de ce que tu veux. Mais si personne n'achète, ben à un moment donné, tu risques d'abandonner ou tu ne risques de ne pas améliorer. Mais si on achète, eh ben dans 2 ans, la sœur, elle va peut-être... Oui, c'est vrai. Elle va peut-être mieux arranger ses trucs, ça sera peut-être mieux peaufiné. Elle va peut-être prendre plus de risques dans ce qu'elle fait parce qu'elle sait que la communauté, elle est là. Et c'est pas oui, c'est vrai. Et puis on est nombreux quand même, on est nombreux. Et puis ça pouvait bien faire, elle pourrait bien développer son business avec ça, franchement. Regarde, et je pense que regarde là par exemple cette vidéo là, elle va faire quand même plus de 3000 vues. Je suis modeste, tout à l'heure là quand je vais finir, elle va faire plus de 3000 vues. Si tout le monde la mettait juste 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, ben la sœur, elle a de quoi pour pouvoir avancer son truc. Tout à fait. Tu vois? Oui, c'est bien. Franchement, je vais aller voir. Moi, je ne suis pas trop, mais je vais voir mes filles. Elle mérite. Tu sais, c'est une sœur. Elle le mérite. Franchement, elle le mérite. Elle le mérite. Tu sais, moi, ma sœur, j'observe énormément les gens. Elle, ça faisait un moment que je voyais ce qu'elle fait. Je me dis, tiens, la sœur, quand même, elle mérite qu'on puisse l'exposer. Elle a besoin d'un petit coup de pouce. Tu vois? Tout à fait. Donc, non, si les gens qui me suivent là, si vous voulez donner un coup de main à la sœur, faites-le, il faut le faire. Non, Mobali, il faut compter sur, en tout cas, je suis dans ça, je te dis, je suis très intéressée par ce qu'elle fait et surtout aussi. Allô? Exceptionnel, qui touche beaucoup de gens, j'ai beaucoup apprécié, allô? Oui. Allô? Oui, je t'écoute, je suis là. Oui, j'ai dit. D'accord. J'ai dit chapeau, Mobali. L'émission avec le professeur Jeffrey, c'est ça? Ah oui. Oh, ça nous a donné les larmes. Oh, Dieu. Ma sœur. Oh, c'était tellement touchant. Je me dis waouh. Bah oui, franchement. Maintenant, il faut m'appeler. Je ne sais pas comment tu vas faire. Il faut m'appeler maintenant Mobali Iglesias. L'homme qui fait pleurer les femmes. Vraiment. Et les hommes aussi. Tant qu'à faire. Eh oui, j'assume. Je suis Mobali Iglesias. C'est ça, mon frère. Franchement. Il y a une énergie familiale qu'on ne peut trouver qu'en regardant Mobali, en suivant la chaîne. Voilà. Franchement. Quand on suit la chaîne, on se sent en famille. C'est comme si on était assis, tu vois, au village, là, au pays, là, autour du feu, en train de manger les cacahuètes ou les arachides. C'est la causerie familiale, tu vois.
Exactement. Ça fait du bien, ça fait du bien. Franchement, chapeau à toi et au frère Tiboy. Oui. Et vraiment, longue vie à la chaîne Mobali. Oui, oui, oui. En voilà. Mais je soutiens de temps en temps Muntu. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a la communauté Muntu ici en Belgique. On est partout, ma sœur. Il faut que tu m'envoies, envoie-moi ton texto. Tu mets juste Muntu, je te rentre là. Tu viens, mets un petit message pour que je sache, voilà, que je me souvienne en fait de toi. Tu mets un truc pour dire, ouais, mais genre la sœur avec qui tu as parlé tout à l'heure. Tu mets un truc pour. Allô, tu m'entends? Ah. Oui, je t'entends très bien. Voilà. Il faut juste que tu m'envoies un texto. Ah, ça, tu mets Muntu. Mm-hmm. D'accord, comme ça après je te recontacte et on te met dans le groupe. Ok, on en reparle, je veux dire, en off. Ah oui, hein. Ok. Ça va, ok, je sais que ça marche. Hein. On est ensemble. Mais bon week-end, on est ensemble. Mais, hein. Le week-end n'est pas fini, demain rebelote, ma soeur. Demain, ça va être super important. Non, à demain. Voilà. Oui, ça c'est vrai, demain. Demain, on sera ensemble avec le thème sur la nourriture, là, comment bien manger, c'est ça. Hein. Ah oui. On en a besoin. Bon, ah oui. J'espère que le frère ne va pas nous interdire le poulet. Parce que vraiment, je pense que je ne vais pas accepter. Ah non ! Le bon poulet ! Là, j'aurais un peu du mal à le suivre. S'il commence à partir en sucette pour me dire non, le poulet, ça donne le cancer. Et le madessou, c'est pas bon. Le saka-saka, interdiction. Je pense que je ne vais pas aimer. Poulet ! Mais tu vas pas faire ça quand même. J'espère qu'il sera un peu gentil. On espère qu'il sera gentil de toute façon. J'espère qu'il sera pas le poulet. Les autres choses, on veut bien. Le McDo, on veut bien. Mais le poulet qui nous laisse tranquille, qui nous laisse tranquille, notre poulet, notre petit poisson, tout cela. Bah oui, qui nous laisse encore notre poulet grillé, notre poisson braisé, tout. Donc j'espère qu'il sera pas dur avec nous. Non, on espère. Bon, ma sœur, à demain. À demain, Matondo. C'est Matondo, on va aller. On est ensemble. Matondo. On est ensemble. Bon, les amis, on a rigolé. Mobali Iglesias vous dit à demain. Mais attendez, je vous lance quand même le planning. Parce que voilà, il y a du taf. Ah, trop tard, hein. Je coupe le téléphone. Fallait m'appeler avant. Allez, coupez. Bon. Les amis, on revient à nos histoires. Bon, alors, déjà, j'ai une conférence à faire le 23. Le christianisme et misogynie. Donc, toutes les gréqueries, là, on va tout balancer. Mais c'est pour les frères et les sœurs de la Guadeloupe. Je n'ai pas pu venir à cause du corona, le nouveau Dieu, la nouvelle religion actuelle qui est en train de tout niquer là. D'accord ? Je n'ai pas pu venir. Parce que notre Dieu corona a dit, Mobali, on ne peut pas. Bon, j'ai dit ok. Parce que je crois en lui, ce n'est pas possible. Mais quoi qu'il en soit, les amis, sans déconner, quoi qu'il en soit, à cause de ce... Parce que là-bas, c'est ce qui se passe quand même terrible... En Guadeloupe. Donc mon voyage a été annulé, mais je fais quand même la conférence à distance pour avoir les informations, pour savoir comment vous inscrire, comment assister à cette conférence. Ben, vous allez sur ma page Facebook Mobali Makassi, y a toutes les informations, d'accord. De toute façon, je vais encore en reparler, ou sinon vous allez dans la page de l'Institut Créateur de Changement. D'accord ? Vous allez sur leur page, il y a toutes les informations parce que c'est eux qui organisent ça. Donc ça, c'est pour le 23. C'est uniquement en ligne. C'est en ligne. Donc, parce que je ne peux pas la faire avec la situation actuelle. Ce n'est pas du bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Attendez. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme événement ? Ah oui, les amis... Notez ça, le 18. Le 18, nous avons un chercheur, d'accord, qui est spécialisé dans la Bible. Les amis, on va se régaler. Tous les chrétiens vont me détester le 18. Donc, soyez nombreux. C'est avec David Fitzgerald. Et on va apprendre énormément de choses. Vraiment, les amis, vous allez kiffer. Hein. Vous allez kiffer. En tout cas, les kamites, vous allez kiffer. Pour les autres et les croyants, ben, comme d'habitude, vous allez disliker la vidéo. Donc, soyez nombreux. On a eu déjà, la dernière fois, on a eu Russell.
Là, ça va être Fitzgerald, mais en plus de lui, il y aura encore un autre qui va arriver. J'ai vu les PDF parce qu'il m'a envoyé les PDF, donc je sais ce qu'on va se dire. Ah, les amis, préparez les stylos. Préparez les stylos. Tous les arguments qu'utilisent nos fameux christianisés pour justifier l'existence de Jésus. Oui, Flavius Joseph a dit, il machin, c'est écrit qu'il a existé. Les amis, on va tout casser. Ah, j'ai pitié pour vous. On va tout casser. On va tout casser, les amis. Donc, notez cette date. C'est le 18. Ça va se faire vraiment. Il est vraiment chaud pour venir à l'émission parce qu'il sait de quoi on parle ici. Vraiment, il est motivé de ouf. Je ne sais pas pourquoi les locataires m'adorent cette émission. C'est un truc de ouf. Alors, il va faire du sale. Je peux vous dire, j'ai vu les PDF. Je peux vous dire que vous allez être content. Vous allez kiffer. Et à la fin, vous allez avoir finalement des arguments pour pouvoir les descendre. Dans tous vos débats, là, vous allez les descendre. Ils n'auront plus jamais ils n'auront plus d'arguments. On va tout casser. Donc, notez bien le 18. Faites ce que vous voulez, mais soyez là. Loupez tous les lives de Mobali si vous voulez. Mais celui-là, là, venez. Venez vraiment. D'accord ? Commencez à en parler. D'ailleurs, tous les pasteurs, là, venez. Venez, venez sur la chaîne. Là, pour une fois... Ça ne va plus être le Mobali, la chaîne des Kamites qui parlent aux Kamites. Là, le 18, ça va être le Kamite qui parle à tous les aliénés. Ok. Donc ça, c'est pour le 18. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, j'en ai parlé. Demain, on sera avec Léon Marshall. Ça va être super, super important. Le frère, il fait le taf au UK, en Angleterre. Alors, pour ceux qui sont les anglophones, tout cela, je pense que vous le connaissez. Mais nous autres, les francophones, donc on va le découvrir. Parce que chez Mobali, c'est comme ça. Mais ça va être excellent. J'ai vu les PDF, on les a reçus là. Thibaut a commencé à faire les traductions. Oui, parce que les amis, c'est ça. Parce que les gens, ils nous donnent les PDF. Mais comme on vous aime bien, eh bien, nous-mêmes, on prend le temps de pouvoir traduire les documents pour que vous ayez au moins les documents en français. Ça, c'est quel type d'amour ? Il n'y a que chez Mobali où on fait ça. Il n'y a que chez Mobali où on vous aime tellement. Déjà, on va aller chercher des gens là où ils sont. Et quand on les a, ils nous donnent les documents, on prend le temps de les traduire pour vous. Comme ça, vous avez tout. Donc, c'est fait. T-Boy, il a fait encore le taf. Merci, T-Boy. Hein. Vraiment, excellent le frère. Excellent, excellent. C'est un frère vraiment dévoué à la tâche. D'ailleurs, soutenez le frère. Hein. Soutenez le frère parce que déjà ce qu'il a fait pour la chaîne, toutes les émissions, il nous a traduit, des fois les connexions, c'est lui qui permet en off de pouvoir gérer les rendez-vous, toutes ces choses, vraiment c'est le frère, il fait vraiment le taf. Vous le voyez, il est avec moi pendant les émissions, mais en dehors, dans les coulisses, eh bien, il est quand même là. Même quand il faut traduire les PDF, il est encore là. Vraiment le frère, merci, hein. Vraiment je ne sais pas comment te dire merci. Donc soutenez le frère parce que là, il a lancé le calendrier. Là. Soutenez-le. Parce que ne fût-ce que pour ce qu'il a fait pour la chaîne, non, il faut qu'on lui donne la force. Okay ? Donc n'hésitez pas. Donc demain, les amis, c'est chaud. Hein. Mais j'ai un peu peur. Parce que j'ai vu dans un PDF, là, il y avait le poisson. Donc je ne sais pas si c'est interdit, si je ne sais pas quoi. Mais ça va être chaud. En tout cas, ça va être super intéressant, sérieusement. Parce que nous autres, là, les Kamites, l'alimentation, eh ben, il faut qu'on commence un peu à gérer ça. Il faut qu'on commence à gérer ça. Moi, vous savez, hein, je connais des gens qui ont à peu près mon âge ou un peu moins, qui ont subi des attaques d'AVC. Moi, dans les années 80, c'est un truc que je n'ai jamais connu, moi. L'AVC, j'ai connu ça en Europe, ici. Là. C'est un truc, je ne savais pas que ça existait, en fait. Et je pensais que c'était un truc de vieux. Et je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont même dans la trentaine, hein, qui ont déjà eu 2-3 attaques. Et vous pensez que ça, c'est lié à quoi ? C'est le mode de vie à la locodermite. Non seulement nous sommes aliénés, mais on nous empoisonne. Alors quand tu mets de côté tous les rayons, là, hein, la Wi-Fi, tout cela, toutes les ondes qui sont dans nos maisons, en plus de ça, toute la bouffe qu'on mange, c'est vraiment de la demeure. C'est de la demeure. Et quand on se dit conscient, quand on se dit Kamite, c'est pas, ça ne se résume pas juste à dire que Cheikh Anta Diop a dit oui les Égyptiens, oui moi la spiritualité, mais comment tu pratiques la spiritualité et tu ne manges pas bien ? Comment tu pratiques la spiritualité ? D'ailleurs, tu ne sais même pas cuisiner.
Dans toutes ces choses, il faut qu'on puisse revoir ça parce que nous avons énormément de choses à apprendre. Vraiment, nous avons énormément de choses à apprendre. Et la chaîne de Mobali, elle est là pour ça. Parce qu'on ne peut pas être ceux qui veulent faire la transition. La chaîne de Mobali, c'est ceux qui ont fini de faire la transition. Maintenant, ils veulent des choses concrètes, des choses qu'on peut faire tout de suite là. Des choses qu'on peut apprendre. Hein, tu apprends comme Tété là. Il nous a appris des choses sur la mort. Maintenant, on le sait. On peut commencer à pratiquer. D'accord ? C'est la chaîne de Mobali, c'est ça. D'accord ? Donc, bah, écoutez, moi, je dois vous quitter très tôt parce que demain, j'ai énormément de travail. Donc, il faut que je me repose. Donc, les amis, on est ensemble. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. D'accord ? Il faut en parler aux autres Kamites qui ne sont pas au courant. C'est une chaîne pour nous. Ça permet déjà de créer du lien. Si on est entre nous, on rigole, on passe un moment, on passe des moments d'échange et c'est bien. Tu vois, c'est super génial. Maintenant, pour le reste, tant qu'à faire, moi, pour ceux qui me découvrent, j'ai un groupe qui s'appelle Muntu. C'est des gens avec qui on roule, on réfléchit, on essaie de faire des choses pour la communauté. Je ne peux pas vous en dire plus, mais si vous voulez, si vous sentez que vous voulez contribuer, vous avez besoin d'être utile pour la communauté, d'accord ? Vous avez du temps, vous connaissez la notion du sacrifice, tout ce que vous avez à faire, eh ben vous m'appelez. Vous m'appelez pas, sinon mon téléphone ça va pas le faire. Envoyez-moi juste un texto et vous mettez Muntu, d'accord ? Et à ce moment-là, on prend contact avec vous et on vous explique ce qu'on fait et si vous adhérez, ben vous rentrez. Mais on ne veut pas n'importe quel type de profil. Parce que vous avez compris, mon Bali, il n'est pas pour tous les Noirs. Moi, je veux je ne veux pas les bras cassés. D'accord ? Je veux l'excellence. Je veux les gens qui veulent vraiment servir pour la communauté. Quand je dis servir pour la communauté, je ne veux pas les bras cassés qui pensent que le combat, ça consiste à être dans un groupe, on se fait au tep, il n'y a aucun sacrifice. Je veux les gens qui connaissent la notion de sacrifice. Vous aimez bien le temps que je passe avec vous ? Eh bien, pour moi, c'est énormément de sacrifice. D'accord ? Le temps que je passe avec vous à faire ces émissions, le frère T-Boy, quand il traduit tout cela, c'est du sacrifice. On le fait, on n'attend pas de l'argent, nous. D'accord ? On le fait par amour. On le fait par amour sans attendre rien du tout. D'accord ? Tout le temps que je fais là, tous les week-ends, je suis avec vous. Vous pensez que j'ai pas autre chose à faire et je pourrais pas aller au cinéma ou aller au restaurant avec des amis parce que j'en ai pas ? Non ! Tous ces week-ends-là, depuis qu'on a commencé, tous les week-ends, je suis là avec vous. Les émissions, il faut les préparer. Il faut lire des fois les livres. Il faut regarder, se questionner sur les intervenants qui vont venir. Les intervenants, il faut les chercher. Toute la semaine, il faut les appeler, prendre rendez-vous. C'est une galère. Pour passer ce petit moment de 2 heures, 3 heures qu'on fait, pour moi, c'est 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Tout cela est préparé. Donc, c'est énormément de sacrifices. Mais vous aimez ça ? Vous voulez aussi contribuer ? Alors ayez cette notion de sacrifice pour votre peuple. Mais si pour vous, vous ne voulez pas vous mouiller, vous ne voulez, hein, vous le combat, c'est on vous sert tout sur un plateau. Et tout ce que vous avez à faire, c'est merci. On n'a pas besoin de ce type de profil. On veut uniquement les gens qui connaissent la notion du sacrifice. Uniquement. Donc si tu te reconnais, mon frère, dans ce que je dis, si ma sœur, tu te reconnais dans ce que je dis, rejoins-nous. Parce que plus on sera nombreux, plus on sera fort. D'accord ? Je ne veux pas les bras cassés. Je ne veux pas les touristes. Je ne veux pas les gens en mode Black Power. Je ne veux que les gens, les Kamites, les Panafricains et les gens qui ont le sens du devoir pour leur communauté. Uniquement ça. Tout le reste, on n'en a rien à foutre. Bon, sur ce, les amis, lavez-vous les mains. Et puis, je vous dis à demain. OK ? Sur ce, je mets cette vidéo et après, je mets le générique. Nous n'avons plus besoin de bouffons. C'est-à-dire de Doucouré. Hein, Doucouré, c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien. Lui, son problème, c'est de manger, boire en kilo, tenter de se promener le long des boulevards. Pas cette année.